Bonsoir, vous le savez, sur France 2, un mercredi sur deux, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Ma première invitée est une actrice, réalisatrice et chanteuse à succès. Elle est née pour être artiste. Elle a d'ailleurs rêvé sa vie avant de réaliser ses rêves. Aujourd'hui, elle a l'image d'une créature glamour à mort qui vit dans un monde parallèle. Qui se cache derrière ce personnage? C'est ce que nous tenterons de savoir. Il s'agit de Arielle Dombasle. Le parcours de mon deuxième invité est une success story comme je les adore. Enfant, ses parents ne savaient pas quoi faire de lui. Depuis, il a réalisé un parcours incroyable à la télévision. Il est devenu ce que Gérard Depardieu est au cinéma et Johnny Hallyday à la chanson, c'est-à-dire un monstre sacré. Notre invité, vous l'avez compris, c'est Michel Drucker. Dans un instant, Ariel et Michel vont s'installer dans ses fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Arielle Dombasle et Michel Drucker sont enfermés dans leur loge. Normalement, ils n'ont ni le son, ni l'image. Arielle, ça va bien ? Elle ne me répond pas et ça me rassure parce qu'elle est coupée du monde, ce qui va me permettre à l'insu de mes invités de vous présenter tout simplement mes complices, ceux qui seront dans l'oreillette ce soir. Ma première complice partage la vie de Michel Drucker depuis 38 ans. Ils se sont rencontrés en 1972 grâce à Claude François sur le plateau d'une émission de télévision. Coup de foudre immédiat, le jour même de leur rencontre, Michel lui a dit « Vous êtes la femme de ma vie, merci d'accueillir l'épouse de Michel Drucker, Dany Sala ». Abandonner sa carrière de comédienne pour se consacrer à sa famille. Michel dit devoir 50% de sa carrière à Dany Saval. Je suis ravi de la recevoir ce soir. Vous allez bien? Ah bah oui. Bon, en préparant cette émission, vous m'avez fait beaucoup rire en parlant de Michel. Vous allez vous lâcher ce soir aussi alors? Oui. Ok. Ma deuxième complice considère Michel comme son père de cœur. Elle avait 5 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Dès ce moment, Michel l'a considérée et élevée comme sa propre fille. Depuis toujours, ils sont très proches l'un de l'autre. Merci d'accueillir la fille de Dany Saval et de Michel Drucker, Stéphanie Jarre. Michel considère que Stéphanie lui a fait le plus beau des cadeaux en donnant naissance il y a 13 ans à sa petite fille Rebecca. Bonsoir, ravi de vous recevoir. Merci. Mon troisième complice est l'une des plus grandes stars françaises de l'humour. Son amitié avec Michel Drucker date du début des années 80. Ses plus beaux fous rires sur des plateaux de télévision, c'est avec Michel qu'il les a vécus. Je suis très heureux d'accueillir ce soir, mesdames et messieurs, Guy Bedos. Guy n'a jamais oublié que lorsqu'il était boycotté sur tous les plateaux de télévision, Michel a été le seul à oser le recevoir dans ses émissions. Bonsoir Guy, ça va bien ? Bonjour David, ça va ? Je suis content de vous recevoir. Je demande souvent à mes invités, bon ce soir je sais que vous l'aimez beaucoup notre invité, mais est-ce que vous allez balancer ? Vous allez balancer Guy ? C'est dur parce que... C'est difficile avec il Michel. Il est tellement hein. Bien, oui. Fou, moi j'ai du mal, j'ai pas envie de l'emmerder quoi. Garçon, il est parfait. Bon. Parfait. Voilà, on y croit donc. Je vous présente vos nouveaux amis de ce soir. Ce sont mes complices, les amis d'Ariel. Ma première complice est la meilleure amie d'Ariel Dombasle. Elles se sont rencontrées par hasard il y a 25 ans dans un théâtre. Et ma complice a eu un coup de foudre pour la voix de notre invitée. Elle est allée lui parler après le spectacle. Depuis, elles sont inséparables. Merci d'accueillir Emmanuel Motot. Après tant d'années d'amitié, elle se vous voit toujours. C'est une des caractéristiques d'Ariel. Elle vous voit tous ses proches. Même les très très proches. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Oui. Mon deuxième complice est réalisateur de cinéma. Il a écrit un rôle pour Arielle Dombasle avant même de la connaître. Elle a ensuite joué dans deux de ses films. Au fil du temps, ils sont devenus très amis, très proches. Merci d'accueillir Patrick Mimouni. Patrick a fait d'Arielle une héroïne de roman. En 2006, il a publié Arielle, un livre directement inspiré de la vie de mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir.
Mon dernier complice est un écrivain ultra doué et un réalisateur qui fait l'événement à chaque fois au cinéma. C'est le mari d'Ariel qui les a fait se rencontrer. Depuis, ils sont très amis. Merci d'accueillir Yann Moix. Yann adore le côté déconnecté, lunaire d'Ariel. Il assure qu'elle est la même sur scène que dans la vie. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. C'est vrai que le public a une image d'Ariel comme ça, un peu stéréotypée, où elle est un peu lunaire. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit, mais attention, elle est vraiment comme ça dans la vie. Oui, elle aurait pu naître à la NASA. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai, à Cap Kennedy. C'est un côté extraterrestre. Totalement. Bon, vous confirmez tout ça. La question que se posent les téléspectateurs, c'est est-ce que mes invités se doutent que vous êtes là ? Stéphanie, est-ce qu'il a essayé de savoir ? Il vous a appelé ? Ah non, sûrement pas. C'est vrai ? Non. Vous avez réussi à moins, vous moins, jamais. À moins que la suite vienne de l'Elysée. Donner les rapports qu'il a avec le président. Je sais pas s'ils ont fait du vélo il n'y a pas longtemps, peut-être, c'est un risque. Qui est son copain de pédale. Ok. Je vous pose la même question. Est-ce que Ariel se doute de votre présence ici ce soir ? Bernard-Henri Lévy, lui, s'en serait douté. Mais Ariel, je pense pas. D'accord. En tout cas, vous les connaissez bien. Et je vous remercie d'avoir accepté de nous faire découvrir des facettes que le public ne connaît pas d'eux. Je vous laisse rejoindre la bulle. Sous les applaudissements du public. Merci beaucoup. Je laisse mes complices s'installer et je leur dis à tout à l'heure, ils disparaissent. Pendant l'émission, d'autres complices viendront nous rejoindre dans adieu la bulle par filles, une porte secrète. Ils sont très nombreux là-haut tout à l'heure, vous allez le voir. Ben oui. Voilà, alors, je découvre sur ces images, en même temps que vous, que Ariel Dombasle est en train de quitter sa loge. Que tout va bien et tout, voilà, mais en fait, on n'est pas si rassurés que ça. Hein, parce qu'on se dit, voilà... C'est comme un petit animal qui entre dans un cirque. Alors, on ne voit rien. Moi, je ne suis pas sûre d'aimer tellement les surprises. Hein. C'est une info, parce que Ariel... Mais il ne faut pas oublier que ça s'appelle panique. Ariel... Et tout le monde est dans la panique. Ariel, on l'entend. Elle mais nous oui. entend. Je fais attention alors, à ce que je vais dire. Si elle voilà. n'est pas les surprises, je suis un peu stressée du coup maintenant, parce qu'il la va y en avoir plein. La porte va s'ouvrir. Mesdames, messieurs, j'aimerais que vous fassiez un triomphe oui. à notre invité de ce soir. Mesdames, messieurs, Ariel Dombasle. En plus, j'aurais dit juste avant, vous savez, les invités, on le traque, envoyez-leur de la bienveillance. Là, c'est énorme, hein, ce qu'ils vous envoyaient. Ah, mais on a, c'est vrai, on a très peur. Je dis, on sent comme un petit animal. On se dit, oh là là, ils ont fait des surprises, sûrement. Mais comme on ne sait rien, on est complètement perdus. C'est... Comment vous vous sentez, oh pour là. De vrai, soyez sincères. Je me sens comme à l'école. C'est-à-dire ? Eh bien, je me dis, est-ce que j'ai bien fait mes devoirs ? Voilà, mais vous n'aviez rien à faire. Mais non, je sais bien. Et puis alors, vous êtes allé en catimini, aller pêcher des gens à droite, à gauche, je ne sais pas qui. Et moi, ça me fait peur, parce que je n'ai pas choisi les gens qui sont là. C'est vrai. Je me retourne parce que moi, je les vois. Ouais. Alors, vous m'avez dit, c'est des amis. D'accord, mais est-ce que vous êtes sûrs? Moi, j'ai pas envie qu'ils balancent des trucs fracassants. Alors, justement, on va voir. Bon. Finalement, j'ai réfléchi, j'y vais pas. Vous ne serez pas seul dans cette aventure. Vous serez accompagné de quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, ouais. Qui est Michel Drucker, oui qui est en train de quitter sa loge. Ça, c'est gay. Merci, Frédéric, ça, c'est cadeau. Super gay. Il est en train de quitter sa loge. C'est je un crois moment... qu'il a peur, comme moi. Vous le sentez ? Vous le voyez à l'image ? Oui. J'aurais pas dû déjeuner. Parce que d'habitude, c'est lui le maître d'œuvre, tandis que là, il est un peu victime. Hein. Exactement. Il est comme moi, un petit animal dans un tunnel. C'est ce que vous inspire, cette image. Alors, tu restes. Alors, c'est un petit hamster, il creuse. Comme un taureau. Le voilà qui approche. Et ensuite, le couloir qui mène à l'arène, il est interminable. Tombez pas. Voilà. Mettez la bonne maintenant, c'est trop tard. Je peux plus reculer. Il a mis une belle chemise. Je peux plus reculer. Je vais là. À gauche. Mais je l'entendais parce qu'il était dans la loge voilà. au-dessus. Ouais. Tu vois
Vous savez que Michel Drucker est dans les coulisses maintenant, il nous entend, donc on fait très attention à ce qu'on va dire. Ah voilà. Je suis très heureux de recevoir ce soir, très heureux de raconter son parcours ainsi que celui d'Ariel. C'est vrai qu'il est, angoissant le couloir. Il y aura des bonnes surprises, j'espère qu'elles seront bonnes. On a enquêté longtemps. On a rencontré des amis et peut-être même des ennemis de Michel Drucker. Est-ce que ça existe? C'est le côté ennemi qui fait peur. En tout cas, il est dans les coulisses, prêt à intervenir sur ce plateau, à rentrer dans l'arène, comme vous le disiez il y a un instant. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Michel Drucker. Salut Michel. Merci. Un triomphe. Les téléspectateurs se demandent toujours comment se sent l'invité. Donc vous êtes super méga habitué au plateau télé. Et là, on voudrait savoir pour de vrai. C'est spécial. Vrai. C'est-à-dire. J'aurais pas dû rencontrer Courbet lors du déjeuner. Il m'a bien stressé. Comment vous vous sentez, Ariel? Eh ben, comme vous. Et d'ailleurs, je vous ai vu arrivant dans le couloir et tout ça. J'ai dit, c'est comme un petit animal. Alors, je m'adresse à ceux qui viendront rendre visite à cette émission que j'adore. Ouais. Le moment le plus difficile, c'est quand on attend dans la loge. On vous laisse mijoter pendant 45 minutes. Oui, et puis on entend des applaudissements et tout ça, mais on dit, on applaudit quoi? Peut-être des bêtises qu'on a dites ou je ne sais pas quoi. Et il y a le cadreur qui m'a dit, ça va bien se passer. C'est comme avant d'entrer en salle d'opération. Oui, exactement. Et vous nous faites ça sous péridurale. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de la bienveillance de notre côté, vous l'imaginez. En revanche, c'est vrai qu'on a envie de connaître à l'un et à l'autre, on s'en doute un peu, votre sens de l'autodérision, votre sens de la paranoïa, parce que ça, c'est un truc qui se soigne. Hein, quand on est, on va parler dans votre dos, vous le savez, ce soir. Oui, je sais. Le public va bien entendre ce qu'on va me souffler dans l'oreillette. Le public va rire et vous ne saurez jamais pourquoi il rit. Oui. Pour l'instant, il n'a pas encore mis son casque. Alors voilà, le public. On a encore un rapport normal. Alors, attendez, avec le public, j'aimerais que mes complices apparaissent, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs et pour le public. Ils sont là. Bonjour. Et nous, rien. Voilà. Lorsque vous vous levez. Ah oui, oui, oui. Vous ne pouvez rien voir. Vous ne pouvez pas. C'est ça. J'aimerais tellement être grand, là. J'aimerais être un joueur de basket. Parce que vous avez un détecteur sous les fesses. Je vous préviens, c'est comme ça. Si vous vous levez, tac. D'accord. Ça se soulève. Alors, j'aimerais que le public mette son casque. C'est totalement futuriste, là. On se croit dans non, un Spoutnik. Même si l'émission s'arrêtait là, c'est déjà surréaliste. Ah ouais, ouais. Ouais. Alors on va faire des petits essais d'oreillettes pour voir si ça fonctionne bien. Est-ce qu'on peut faire un petit essai s'il vous plaît? Et faites attention Fred, hein. Il est très bavard et pour le couper c'est pas de la tarte. Mais c'est terrible. Ah non, et ce rire c'est peut-être pour Ariel. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que, prenez, pour... est-ce que vous le prenez pour vous? Est-ce que vous imaginez que c'est pour l'autre? Je sais pas. Ben moi j'espère que c'est pour Michel. Ok, complice numéro 3, un petit essai. Je voulais, tout à l'heure, tu demandes à machin, là, comment il s'appelle, Drucker. Ça, c'est un rire pour Ariel. Non, c'est j'ai, pas j'ai, si, il y a une finesse dans le rire. J'ai même entendu du quelqu'un qui a dit, oh, il a pas fait ça quand même. Donc, c'est pas vrai, elle bluffe. Elle non, bluffe. C'est elle. Moi, j'ai entendu, elle n'a pas fait ça. Vous bluffez, vous bluffez. On continue. Complice suivant, s'il vous plaît, un petit essai d'oreillette. Cher public, je vous propose en hommage à Ariel de pousser un contrute. C'est un contrute, c'est à peu près ça. C'est une chose pareille, je ne sais pas. C'est aussi mauvais que moi, c'est bien. Eh ben, dis donc. C'est censé être un hommage. Un hommage. C'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir. Il paraît que c'est un contrute. Je ne savais pas. Hein. Un contrute. Vous l'avez pas reconnu tout de suite. C'est pas grave, on va prendre des cours dans l'émission. Bon, je m'en vais, moi, hein, parce que c'est pas sérieux, cette émission. Autre complice, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'Ariel chantera en contrute les œuvres intégrales de Bernard-Henri Lévy. Donc, on aura la réponse tout à l'heure, bien sûr. Michel. Donc, juste petite explication, parce que pour ceux qui regardent cette émission, qui n'ont jamais été à votre place, quelle sensation ça fait et décrivez un petit peu, parce que c'est un peu là, particulier. On a l'impression qu'on est chez les fous, là. Puis alors, on se sent un peu puni, mais on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais dis donc, qu'est-ce qui... Comme je commence à être très, très angoissé, j'ai essayé de me rassurer en prenant la même position des jambes qu'arrière. Ça va me détendre. C'est mieux comme ça.
Hey, c'est pas gracieux. Mais non, exactement. Et là, elle casse sait faire ça. Ça fait décontracter. Mais ça te va très bien. Tu as l'air d'un flamant rose. Je ne veux pas tenir tout vivement dimanche comme ça. Un flamant rose. C'est magnifique. Ouais. Juste avant de démarrer, oui. Je voulais qu'on parle de la raison pour laquelle vous êtes si radieuse. Radieuse ? Mais oui. Bon, on peut le dire. Ah oui. Quand on a ce physique-là, on peut être radieuse. Hein. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce physique. Moi. Glamour à mort. J'aurais été radieux aussi. Glamour à mort, c'est votre nouvel album avec Philippe Catherine qui fait beaucoup parler, qui est quelque chose qui plaît à tout le monde. J'ai l'impression que ça fait l'unanimité. Top. Vraiment. Il y a un climat. Il y a Cariel qui pouvait faire ça avec son complice musicien que j'adore. Oui, qui est Philippe et Gonzalez. Et c'est vrai que c'est un... Enfin bon, on s'est dit, au milieu de la crise, nous, on fait le contraire. Le contraire. On fait quelque chose sur des super-héros. On regarde un petit extrait, on en parle juste après. D'accord. Extrait du clip, regardez. Je suis extraterrestre, je vois les choses qu'on ne voit pas, les choses de l'au-delà. Michel connaît déjà la chorégraphie. J'ai vu. Et c'est vrai, ce qui est marqué sur CD, glamour à mort. Mort, exactement. Tous les jeunes et les moins jeunes vont danser cet été là-dessus. Hein. Mais c'est dis-moi, ça. Toi, tu dansais comme dans Pulp Fiction. Fais voir comment tu faisais. Non, mais j'ai doublé Travolta, à moins que ce soit Franck Dubost, dans Disco. C'est vrai que ça donne envie de danser. Ouais. Et puis le public adore. Je regardais le visage du public pendant que vous étiez en train de chanter. Ça apporte du bonheur, donc on vous remercie pour ça déjà. Bravo, vraiment. Michel, vous le savez, et tous les dimanches sur France 2, c'est un des plus gros cartons de la chaîne depuis des années, donc j'attends qu'il me donne son secret un de ces jours, parce qu'effectivement, ben voilà, le public l'adore, il a cette relation très forte. À la radio depuis septembre, sur Europe 1. C'est une aventure magnifique, Europe 1 découverte tous les jours. C'est pour ça qu'après l'émission, j'ai envie de me coucher, car je suis à l'antenne demain matin. Et oui, mais c'est bon, c'est une station que j'ai beaucoup aimée il y a 20 ans et qui me manquait beaucoup. Et Alexandre Bompard a eu l'heureuse idée de demander à un senior de venir rejoindre une radio à un moment où on fait plutôt tout pour les juniors. À 9h30 tous les jours, Europe 1 découverte avec Michel Drucker sur Europe 1. Ouais, ouais. Et puis ce qu'on appelle désormais ce best-seller, qui sort désormais en poche, Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Vous racontez avec beaucoup de pudeur, mais on comprend beaucoup de choses. Vous racontez votre parcours, votre histoire, qui a touché près de 500 000 personnes qui ont acheté ce livre, et qui va sortir maintenant et qui est très accessible en livre de poche. Et je crois que tout le monde va se reconnaître un petit peu dans cette histoire. Mais c'est très émouvant pour moi, et je ne savais pas à quel point. C'est vrai que Ariel sait ce que c'est que l'écrit, puisqu'elle vit avec une grande plume. Jamais j'aurais imaginé le bonheur que c'est d'avoir, pour un homme de télévision, une espèce de légion d'honneur, d'être reconnu par un livre. 500 000 exemplaires, je me pince pour le croire. Non, c'est extraordinaire. C'est super. Et j'en parle pas plus parce qu'on va en parler dans l'émission de ce parcours, bien entendu. Vous êtes prêts ? L'un et l'autre ? Donc je vais tester, je l'ai dit, je préviens un peu comme si je prenais des pincettes, votre sens de l'autodérision. C'est parti. Est-ce que cet objet dit quelque chose à Alors, il deux. Est complètement perdu quand il se retrouve tout seul à la maison. Alors, il ne sait absolument pas où se trouve tout ce qui est casserole. Il fait du café avec une cafetière en plastique. Et donc, il pose la cafetière en plastique sur le feu directement et il a fait fondre, ce qui est quand même énorme. Ça, c'est une cafetière. Ça vous dit rien, Michel ? Ça devrait. Mais les vieux jeux, la cafetière. Hein. Maintenant, il y a des sensos où on met des capsules. Michel, vous voyez pas du tout. Ah, ça peut être dangereux, non ? C'est-à-dire ? Si on fait quoi, c'est dangereux avec une cafetière en plastique ? On pourrait prendre, si on fait pas attention, si on la pose là où il faut pas la poser, ça peut fondre. C'est-à-dire ?
Ah ben moi je suis capable de mettre ça carrément sur le four, sur une plaque chauffante. Voilà. Il l'a fait. Et l'autre jour, il a trouvé le moyen de nous mettre la main dans le grille-pain. Il a mis sa main complète dans le grille-pain. Alors, peut-être un conseil, allumé. Michel, pour les enfants. Comment se servir d'un grille-pain? Ça, c'est très récent. Vous avez tort de rire, car à quelques secondes près, je n'étais pas là pour vous en parler. Et sans mauvais jeu de mots, j'aurais rejoint Claude François. Car il y a quelques jours, j'adore griller mon pain, mais je fais comme j'écoute la radio en même temps, je regarde LCI et je téléphone en même temps. C'est très compliqué. Et j'ai pas fait attention, le grille-pain était branché. J'ai vu qu'il était un peu endommagé, que la tartine ne sortait pas. Et pour cause, le mécanisme qui rejette la tartine était bloqué. Et j'ai voulu le débloquer directement avec ma main et c'était branché. Et j'ai entendu un hurlement de mon épouse chérie. Et à quelques secondes près, je m'étais électrocuté. J'en ris encore des froids. Ah ben ouais. Non mais c'est vrai, je suis le grand spécialiste de ça. Cela dit, vous avez raison, moi je suis tellement distrait que je suis capable, 37 ans après, de demander où est le frigidaire. Alors, à la maison, il ne sait pas où sont la moitié des choses. Il ne sait pas où est le compteur électrique. Un soir, je suis rentrée tard. On dirait ma femme pendant le mois. Je l'ai allongée sur le lit dans le noir. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, les plombs ont sauté, je ne sais pas où c'est. Alors oui. Voilà, ça c'est Michel. Il non, pas c'est, où un sont homme, les choses. C'est un homme, c'est tout. Et il attendait depuis une heure. Alors, il est allongé sur le lit. Allongé, les bras sur le ventre, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Comme un gisant. Oui, un gisant, d'ailleurs j'ai je l'appelle souvent le gisant. Quand les plombs sautent, on fait quoi? J'en sais rien. Je m'allonge dans le noir et j'attends. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On nous l'a raconté pendant l'enquête. Et en général, c'est ma femme avec une longue torche qui essaie pendant des minutes et minutes et minutes. Et moi, je suis dans le noir et je dis, alors ça vient? Exactement. C'est vrai. Non, il le reconnaît, on peut l'applaudir. Non, mais je suis nul. Je suis pas un manuel. Il ne sait même pas changer une ampoule électrique. Il le reconnaît. Mais il n'est tellement pas un manuel que moi qui suis là, à un mètre de lui, je peux voir quelque chose, c'est qu'il a un bleu sur un ongle. Il l'a caché. Il l'a caché et ça veut dire je quoi? Je prends toujours les doigts dans les portes glissantes. Et voilà, glissantes. Il a un bleu là. Six mois par an, soit le droit, soit le gauche. D'accord. Avec les portes coulissantes de son dressing. Ça. D'accord, on donne des précisions, j'adore. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est cette photo-là? Alors ça c'est, je crois que c'est ma cuisine. Et... Oui, vous n'allez pas le croire, mais quand il rentre à la maison les bras chargés de quelque chose à manger, il ne sait pas où est le frigo. Le four doit être en bas à gauche, le réfrigérateur à droite, mais... Ouais, parce que... Ça non, fait longtemps que vous avez cette cuisine. On parle d'un appartement dans lequel on vit depuis 30 ans. Danny et moi, nous vivons ensemble depuis 37 ans. D'accord. Et je crois qu'une ou deux fois par semaine, je regarde, si vous aviez un contre-champ, la télévision, qui marche en permanence, je parle pas du grille-pain. Je téléphone et j'écoute la radio. Et tantôt, je me retourne, j'ai dit, mais où est le réfrigérateur? Et la réponse est toujours la même, au même endroit depuis 35 ans. Mais dis-moi, je vois sur la photo que Dany lui a même mis des grosses boules par terre pour qu'il se trompe dans oui, c'est bizarre. Alors, c'est pas des boules, c'est des chaises. Ce sont des chaises, on précise. Mais on dirait deux testicules. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que comme il écoute la télé, la radio, qu'il regarde ses journaux en même temps, il téléphone aussi avec sa télécommande, voire même se coiffer avec son téléphone. Je fais pas attention. Qu'est-ce qu'il y a? On confirme ce que vous dites avec des exemples. Qu'est-ce qu'on vous a dit encore? Qu'est-ce que vous faites avec une télécommande de télé, par exemple? Ah, il arrive de le confondre avec le téléphone. Voilà. Ou avec votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Et je ne comprends pas que j'appuie sur les touches. Et avec le téléphone, il paraît que vous vous coiffez. Oui. Non, mais je suis extrêmement stressé. Il m'arrive dans la loge, etc. Avant de descendre sur le plateau, de faire ça pour si tout va bien. Et je m'aperçois que c'est évidemment que c'est une télécommande. Ou c'est un téléphone. Non, mais c'est bon, les exemples. Parce qu'on pourrait se dire... Oh, c'est il y a longtemps qu'il est comme ça. Non. Il y a des gens qui s'inquiètent pour vous, là-haut. Michel est un pitoyable artisan.
Il ne sait strictement rien faire. Il ne sait pas ce que c'est qu'un clou ni un marteau. Mais vraiment, c'est dramatique. Et quand il y a quelque chose à réparer, c'est joli de dénoncer. Là, je vais prendre la défense de mon copain parce que ça va. Hein, parce que là, on va avoir un coup de fil de Gisèle Halimi, d'Antoinette Foulque et de tous les mouvements féministes de France. Alors, on me donne effectivement une formule. Est-ce qu'on peut vous résumer ? Est-ce que vous êtes ce genre de garçon qui ne sait pas planter un clou ? Je suis Pierre Richard dans le distrait. D'accord. Et je ne sais pas planter un clou. Alors moi, je n'arrive pas à vous croire, parce que c'est quand même pas compliqué de planter un clou. La dernière fois que j'ai essayé d'en planter un clou, je me suis planté. C'est vrai ? Bon. Je me suis tapé sur les doigts. Juste pour qu'on assiste à ça, parce qu'il y a des gens qui effectivement le voient tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous montrer, vous, sans vous faire mal, comment vous plantez un clou ? Mesdames et messieurs, Michel Drucker dans Le plantage du clou. Ah, c'est génial ! On nous dit là-haut, c'est génial ! Alors, voici une photo d'Ariel Dombal que Michel a très envie d'accrocher sur son mur. Donc là, maintenant, c'est le deuxième doigt avec l'ongle noir. Hein, on est bien d'accord. Je vais faire un énorme effort. Alors attendez, il y a deux possibilités. Vous avez remarqué, il y a une perceuse, c'est-à-dire c'est une visseuse. Ça sert à quoi, ça ? Alors, moi, je conseille le scotch. Non, ça, c'est quoi, ça ? Tu es une agrafeuse ? Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas non plus. Bon, alors... Alors, en principe, il faut que ce soit planté à une distance précise. Non, je vais y aller au pif. Hein. Bah oui. Bon. Et quel clou ? Alors, c'est vous qui décidez. Alors, allons-y. Parce qu'il y a des vis, il y a des clous, il y a une visseuse. Ça va pas le faire, ça. Ça, c'est quoi ? C'est quoi, votre avis ? Ça va pas le faire, ça. Non. Ah oui, non. Ça, voilà. Ça, c'est un clou. Il est assez grand pour vous faire mal. Il y a une dame qui a dit, c'est énorme. Ça vous ennuie pas de m'aider Non, parce que je voudrais pas que vous fassiez mal. Ariel, vous voulez l'aider ? Non, Ariel, je vais vous faire la surprise. D'accord. Ne regardez pas. Mais mets-le un peu haut. Non, c'est pour savoir à quelle hauteur. Voilà. C'est ça. Mais pourvu qu'il mette pas le tableau à l'envers. Oui. Ouais. Bon, ne vous faites pas mal, je vous en supplie. L'émission dure combien de temps ? C'est très émouvant, moi, je trouve. Vous avez la trousse de secours. Voilà. Ne vous faites pas mal. Le public... Non, je me chauffe. Vas-y, Michel, n'aie pas peur. Accroche-toi. Le public, parce que vous en rendez compte, Michel, vous provoquez Michel, le public. Je fais le grand cabaret. Je viens. Prends plutôt le truc qui tourne. Je dis juste pour les gens qui nous rejoignent, Michel Drucker tente de planter un clou. Voilà, et prends. Voilà. Ça fait un bruit d'enfer, voilà, mais il n'y a rien. Non, c'est une visseuse. C'est quand même énorme. Il fait un trou, il plante un clou avec une visseuse. Attends. Vous êtes voilà. En train de faire un trou avec la visseuse, Michel. Non, regarde, Michel, voilà. tu ouvres le truc à vis. Ariel, oui. Trop forte, on voilà. Peut l'applaudir. Elle a trouvé la vis. Voilà. Ah, d'accord. Et non, et vous alors le faites. Maintenant, on recommence. Non, il faut le faire prends avec fond, ça. Prends ça. Mais est-ce que le trou est assez profond ? Non, attention. Il ne faut pas le mettre dans le trou. Attention les doigts. Vas-y. Ah, bravo. Oui, mais c'est plus facile qu'avec le marteau. Alors là... Et regarde, tu l'as fait un peu de travers, c'est pas mal. Hein. La première fois que je le vois faire une chose voilà. Pareille. Voilà, d'ailleurs, le tableau est de travers. Pour la première fois de sa vie. Bah, et une fois, il a voulu réparer une applique et je me suis retrouvée avec un trou de 20 cm. De circonférence dans le mur. Voilà. Je vous remercie pour cette information que je ne répéterai pas, ce sera un indice. Mais en tout cas, vous avez épaté beaucoup de vos proches, là, je peux vous dire. Et... Je peux garder ce document pour moi, parce que je ne le ferai pas deux fois. Et vous ne voulez pas vous intéresser à Ariel un peu ? Oh, on va venir dans pas longtemps. C'est vous toujours moi. Pour attendre. Ah, enfin. Oh, Michel. Je vais souffler un peu. Non, c'est encore sur Michel, je non, sens. Non, elle a un frigo uniquement pour son chat. Qui s'appelle Bengali et que Philippe Catherine appelle blouson noir parce qu'il est tout noir. Et il y a toujours uniquement 3 crevettes dans ce frigo immense. Donc voilà. Non, les regards sont sur Ariel. L'homme de télévision qui a repéré l'indice. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo à vous ? Ah, du fromage de Condé. Je peux vous dire que quand on voit sa silhouette, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Exactement. On m'a dit, il y a 3 crevettes. Ah oui, ça oui. Il y a des crevettes merveilleuses d'Australie pour mon chat Bengali, qu'un ami à moi a nommé blouson noir parce qu'il est très mal élevé. Il y a, ah oui, des alcools parce que du tequila. Des alcools pour mes amis. Ça, c'est, des citrons verts. Ça, c'est le souvenir du Mexique. Ouais.
Et puis des fruits, des trucs, des machins. Je supplie Frédéric de demander à Ariel comment fonctionne un avion. Comment ça décolle, comment ça arrive en altitude. Je vous en supplie. On me supplie de vous poser cette question. Ariel, comment fonctionne un avion? Comment fonctionne un avion? Oui. C'est bizarre qu'on me dise ça. Un avion. Donc, lui a l'air de savoir pourquoi. Ça dépend de la date. Hein, parce que si c'est le 11 septembre, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Parce qu'un jour, Ariel a raconté dans une soirée qu'un avion se plaçait sur un courant d'air chaud, genre comme un satellite en fait. Et qu'une fois installé dans le courant d'air chaud, l'avion pouvait faire 3 fois, 4 fois le tour de la Terre. Alors, vous ne savez pas comment fonctionne un C'était avion. C'était très poétique, hein, c'est pas une critique de ma part. Mais c'est pour, alors, on parle justement de votre regard poétique sur la vie. Je téléphone à la dernière minute dans l'avion. Il paraît qu'un jour, de manière très poétique, vous avez dit, et je ne sais pas si vous étiez sérieuse ou pas, c'est qu'en fait, l'avion se plaçait simplement dans un courant d'air chaud, et ensuite, il pouvait faire le tour de la Terre. Vous vous rappelez de ça? Un courant d'air chaud. Donc ça, c'était pour se moquer de vous ce jour-là. Et alors, elle a aussi une grande faiblesse pour la haute technologie. Yann tout à l'heure parlait de la NASA, c'est à peu près ça, mais en miniature, elle a un iPod, elle a un BlackBerry, elle a plein d'ordinateurs qui sont totalement vides parce qu'elle n'arrive jamais à rentrer les données à l'intérieur. Vous avez combien de numéros de téléphone dans votre répertoire? Je sais pas, parce que en réalité j'en ai beaucoup. Normalement elle n'en a qu'un, elle n'en a qu'un. Celui mais je sais pas bien, enfin ils sont embrouillés mettons. Oui. On me dit que vous avez un numéro dans le répertoire, quelqu'un très important pour vous. Ah oui, BH, oui. Voilà, mais vous n'avez pas, parce que d'habitude on met plein de gens pour ne pas avoir à faire le numéro. C'est vrai que j'ai toujours des numéros de téléphone faux des gens. Je ne sais pas, je ne suis pas bonne avec les chiffres. Et à chaque fois qu'elle téléphone, même si le premier numéro ne répond pas ou est occupé, elle va raccrocher et elle va reprendre un agenda, son agenda, pour remettre le numéro et téléphoner. Elle ne sait même pas faire bis. Et alors on me dit que vous, quand vous téléphonez, vous prenez l'agenda, vous faites le numéro. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis si ça répond pas, vous essayez de rappeler. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, je reprends l'agenda et puis je... Elle fait pas bis. Non, je fais pas bis. Parce que je me dis, il y a sûrement quelque chose, un hic. J'ai mal dû écrire le numéro. Et puis aussi, bon, c'est vrai que mon téléphone est tout le temps en train d'appeler des tas de gens tout seul. Ça, je sais pas pourquoi. Ça, faut faire le grand cabaret, là. Le téléphone qui téléphone tout seul, ça c'est extraordinaire. Oui, tu sais, mais il s'appuie dans ton sac et ah il oui, fait ça le démarre numéro. Tout seul. Ah oui, ouais, elle ça. A un merveilleux iPod auquel elle avait acheté une magnifique coque rose. Et cette coque rose, au bout d'un moment, elle voulait l'enlever, mais elle n'arrivait pas à l'enlever. Et Ariel n'ose jamais demander quelque chose à quelqu'un de but en blanc comme ça. Donc elle essaye toujours d'avoir une conversation pour être très polie avec la personne. Et au bout d'un moment, elle dit « Est-ce que tu sais enlever cette chose qui est autour de mon téléphone, cette chose rose ?» Et la personne lui dit « Ben non, moi je n'ai pas enlevé les coques. Voilà. » Okay. Et à chaque fois, elle est très déçue. Et elle a redécouvert alors... le téléphone fixe en attachant son portable à une ficelle. Non, parce qu'on me donne une information. Vous avez maintenant ces téléphones que tout le monde adore, oui. Avec une petite coque dont vous ne savez pas bien vous servir. Ça, c'est vrai, oui. J'ai acheté une coque à New York, translucide, rose, extraordinaire, genre futuriste. Je l'ai mise sur le téléphone et puis du coup, je ne sais plus comment même accéder aux touches. Enfin, bon. Et elle écrit tous ses textos au brouillon d'abord sur des feuilles avec une... c'est vrai un stylo plume. Elle écrit ses textos au brouillon avant de les envoyer. Non, c'est pas vrai, mais j'imagine. Mais ses textos sont extrêmement longs parce qu'elle vient juste d'apprendre à les faire il y a 2 mois. Bon. Donc ils sont très longs. Vous envoyez des textos maintenant? Alors j'ai appris à envoyer des textos et je suis enchantée. Je bombarde la terre entière de textos. C'est clair. Depuis 2 mois, elle a appris à deux mois. On les reçoit. Alors. Bon, ça c'était pour parler des aspects un peu méconnus de vos personnalités, pour rire un peu, pour qu'on vous imagine dans la vraie vie. J'aimerais qu'on parle à l'un et à l'autre de votre parcours. C'est vrai que ce qu'on est devenu dans la vie, ça a souvent un rapport avec ce qu'on était quand on était enfant. Donc, Michel, le public qui a lu votre livre, que je rappelle, qui vient de sortir en livre de poche, qu'est-ce qu'on va faire de lui, se souvient maintenant que vous avez grandi à Vire, dans le Calvados, papa médecin de famille. C'est pas la peine de rappeler que c'est le pays de l'andouille. Je le sais depuis toujours. Oui. Maman, mère au foyer, regardez comme il est beau. Tu as un très mignon petit pyjama, en tout cas. Oui, c'était pas un pyjama. Ah bon? C'est pas grave. Ah bon? C'est pas grave, Ariel.
C'était ma costume du dimanche. Je suis pas fou de la coiffure, là. C'est pas grave, ma mère n'est plus là pour le voir. On l'appelle Michel, on l'appelle Michel, on l'appelle Mimi, on l'appelle Michou. Dans le livre où il est avec des belles boucles blondes et puis une barboteuse. Ah, les complices, ils y vont. Hein. Ah, c'est incroyable, hein. Mais surtout, on entend ce cœur qui bat et tout. C'est le mien. C'est ça, depuis le début, c'est le mien. Avec son frère Jean, en légende, il y a « Et on m'appelait Michou ». Alors, ce que je voulais savoir, si on ne l'appelle plus Michou, s'il a honte qu'on l'appelle Michou, ce qu'il en pense. Comment vous appelez à l'époque? Oh, je n'ose pas vous le dire. Mais on m'appelle toujours comme ça. On vous appelle toujours comme ça, c'était la question. On m'appelle Michou. Ah, voilà. C'est ce que j'attendais. Mimi. Il y a un cercle serré qui t'appelle encore Michou. Donc, milieu familial, c'est important pour comprendre la vie de Michel. Deux frères que vous dites dans votre livre brillant, hein, qui est aujourd'hui médecin reconnu aux États-Unis. Qui est le professeur de santé publique, qui a créé l'Institut de veille sanitaire. Voilà, c'est le petit, là, il y a mon papa Abraham, il y a Lola. On vient, comme dirait Nicolas Sarkozy, nous sommes des Français de sang mêlé, on vient de l'Europe de l'Est, de l'Empire austro-hongrois. Jean, qui me manque tant, qui était un brillant énarque. Et Jacques, le petit, là, c'est le plus brillant des trois. Il est conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington. Et il a fait partie de l'équipe qui a découvert le vaccin contre l'hépatite B il y a 35 ans. Et il a créé surtout l'Institut de veille sanitaire qui veille sur la santé des Français. Et il est souvent consulté avec toutes les épidémies qu'on voit. Alors, voilà, le Mexique est passé par son bureau il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Vous êtes fier de raconter ça. Est-ce que vos parents, à ce moment-là précis de la photo, sont fiers de vous? Oui, je crois qu'ils sont fiers de nous, mais ils ne l'ont jamais dit. Voilà, voilà. Là, ils viennent de se marier. Ma mère s'appelle Lola, elle était divine. Et mon père était un sacré garnement, immense médecin, moyen père de famille, moyen mari, mais un type exceptionnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a rien. Ils étaient fiers de lui. Il était aimé beaucoup. Je témoigne, mais il était vraiment en cancre. Est-ce qu'il se souvient de son institutrice et des cours de rattrapage à Saint-Père-sur-Mer, lieu de vacances favori? À Saint-Père-sur-Mer, ouais. Cours de rattrapage. À côté de Granville. Avec une institutrice. Ouais. Cauchemar. C'est-à-dire? Mais oui, quand vos frères et vos copains sont en grandes vacances, ça a duré 3 mois, sont sur la plage de 11h jusqu'à 5h, et vous n'y allez que vers 16h, une fois que l'institutrice qui est là pour les cours de rattrapage a fini son cours, vous arrivez à 4h, il fait froid, on plie déjà les parasols, et vous avez l'impression d'avoir été privé de vacances. Hein. Et c'était un peu ça. Ça me fait rire maintenant, ça ne m'a pas fait rire à l'époque, d'autant que la pire des punitions, c'est d'aller se baigner avec des maillots de bain tricotés par ma mère, qui pesaient 2 tonnes en sortant de l'eau, qui grattaient avec le sable. Et comme c'était sur une plage de Normandie, on ne peut pas dire que c'était la canicule tous les étés. Ouais. Donc ce n'est pas un bon souvenir, finalement. Ce qui ne sait pas, c'est que son frère Jean, au premier étage, avec son petit copain, attendait la sortie de l'institutrice et faisait pipi quand l'institutrice sortait. On me confirme cette ambiance-là. Ça n'a pas de sens. Cette institutrice n'a jamais compris pourquoi, à cette villa de location de Saint-Père-sur-Mer, il pleuvait toujours alors qu'il faisait vraiment grand beau temps. Il faudrait arrêter de traiter mon copain comme si c'était un débile profond. Parce qu'il s'en est bien sorti pour un trisomique 21. On a tous connu ça, non? Les maillots de bain lourds. Donc on dit à l'époque que cette institutrice, votre frère et vos potes, ils la martyrisaient un petit peu. Ouais, elle s'appelait Madame Michez, une dame charmante, qui se donnait beaucoup de mal pour moi. Ah, tu n'étais pas gentil avec elle? C'était autour de vous, on me dit que c'était vos frères aussi, et que c'était les oui, copains. Non, moi, je crois pas que j'étais... Moi, tu l'as charrié. Sur les bulletins de mon enfant, je me souviens, bon fond. On dirait, il a un bon fond. Il est nul, mais il est gentil. Non, mais... Je parle devant une élève brillantissime, parce que si vous mettez le projecteur sur le passé... On va le mettre dans un instant. ...d'Arielle Dombal, qui était brillante, moi j'aurais... Il en a marre, là, il voudrait bien qu'on passe à elle. Mes parents rêvaient d'avoir... J'ai eu une sœur que je n'ai pas connue, mais ils en rêvaient justement d'avoir quelqu'un de la famille qui ressemble à Arielle, qui soit aussi brillante, qui parle plusieurs langues, l'espagnol, l'anglais, etc. Oui, peut-être, mais enfin, zéro d'orthographe. Hein. Ah bon, je crois me souvenir qu'il avait emprunté la déesse d'un notaire à Avire, ce qui a fait
grand bruit. C'est vrai que on disait donc turbulent parce que vous avez quand même piqué la déesse du notaire. Vous savez, quand on est mauvais élève et qu'on est un fils d'un petit bourgeois de la ville, le médecin le plus connu de la ville, on a tendance à se réfugier avec les enfants qui sont comme vous et qui sont des mauvais élèves. Et donc je me réfugiais avec eux, comment on se tenait chaud. Et j'en étais heureux, justement, pour faire de la provoque par rapport aux petits bourgeois de l'époque, qu'avec les copains de la rue. J'avais un copain bébert, on allait dans les locomotives sur la place de la gare, on revenait, on était maculés de suie. Mais c'est vrai que pendant que la ville dormait, il nous arrivait d'aller desserrer le frein à main de certaines voitures qu'on déplaçait de 200-300 mètres. Il nous est même arrivé d'avancer d'une heure ou de retarder la porte-horloge avec la grande horloge. Il m'est même arrivé, mais ne le répétez à personne, d'aller faire pipi dans les carottes du tabac. Oh, incroyable. On faisait ça la nuit devant le marchand de journaux avec le tabac. Et on faisait un trou en dessous. Voilà, c'était à Vire, donc, hein, dans le Calvados, mais que vous pouvez visiter. C'est très ancien. Je suis devenu sérieux après. Alors, ouais. C'est vrai que vous parlez dans ce livre de la pression, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, qu'on peut avoir quand on est enfant, qu'on ne donne pas satisfaction, qu'on n'est pas content de vous. Surtout avec un père comme le mien. Voilà. Et pourtant, vous parlez de ce jour de juin 2000. J'ai mis une plaque sur l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose de très, très confus dans votre esprit à ce moment-là précis. Ouais, c'est un stress. Bon, le seul diplôme que j'ai, j'en suis très fier, je suis pilote d'hélicoptère. J'en ai beaucoup bavé pour devenir pilote. Et je suis allé, justement, avec un ami d'enfance, à l'invitation du maire de Vire, monsieur Cousin, que je salue, qui a tenu sa parole. Il m'avait dit un jour, je donnerai le nom d'une aile de l'hôpital à Abraham Drucker. Bon, j'y suis allé. J'étais tellement ému de revenir, surtout pour cette circonstance. Surtout que mon frère n'était plus là, mon frère Jean. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous êtes monté en hélico, mais c'est très pointu. Et en arrivant sur la ville, le zoom avant, l'hélico descendait, j'ai revu me sauter au visage en quelque sorte toute mon enfance, avec les odeurs, avec le stress. Et j'ai demandé à Franck Arestier, le copilote, j'ai dit, Franck, prends les commandes, je ne pourrais pas me poser. Tout seul, je n'aurais pas pu me poser, j'arrivais pas. Je voudrais saluer notre nouveau complice, bonsoir. Et remercier Michel de nous raconter ça. À quel moment de votre existence, vous avez finalement compris, accepté, mais et compris cette pression, cette quasi-tyrannie de votre père, en fait? Non, mon père, qui était très influençable, était très proche d'une dame que je détestais parce que j'avais senti qu'il était trop proche. Les enfants sentent tout. Et elle m'a amené voir un psy à Caen. Quand on habite Vire et que Caen est à 50 km, Caen, c'est Paris. Bon. Et elle m'a amené à Caen voir un psy. Je sais pas ce que c'était, moi. Je sais pas ce que le psy lui a dit. On est revenu, moi, à la gare, j'avais la tête à gueule. On m'a dit de faire des dessins, de faire des trucs comme ça. Bon. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais 12 ans, elle revient et elle dit à mon père, tu sais, Abraham, plus de problème. Ton fils est inapte à tout effort intellectuel. Il faut l'orienter d'urgence vers une profession manuelle. Et vous avez vu le résultat, comment je plante les clous. Elle avait dû faire profession cette manuelle. Et ça, c'est une salope, ça m'a tétanisé. J'en ai voulu longtemps. Et en regardant le train Granville, Paris, passer devant la maison, parce qu'on habitait place de la gare, je me suis dit un jour, à 17 ans, je l'écris dans le livre, je monterai dans ce train et je ne reviendrai plus jamais. Ou si je reviens, je reviendrai en ayant un peu réussi. Parce que j'ai mis beaucoup de temps. Vous met des étiquettes sur la tête à ce moment-là et celles que vous ne voulez pas. Je voudrais qu'on parle de ces gens à Vire, etc. Parce qu'il y a encore des gens de l'époque que vous continuez de voir, qui vous ont connu petit. Oui, il y en a quelques-uns. Il m'est arrivé quand j'ai quand même voulu, à la mémoire de mon père, que Vire soit la première étape de signature de mon livre. J'en ai beaucoup. Stop. Oh là là. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça, dans cette explication? Ne dites rien. Ne dites pas ce qu'il y a dedans. Présentez-nous ces personnes, mais ne dites pas ce qu'il y a dedans. Alors, il y en a une pour vous. Monsieur et Madame Goldblum, Robert et Gérard, c'est plus que mes amis d'enfance. Ouais. C'est la seule famille qui me reste. Je dirais que ça. Voilà. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Car nos parents étaient les meilleurs amis. Ils venaient d'Europe de l'Est et je les considère comme de ma famille. Oh là là! Est-ce que vous savez ce que c'est, Ariel? Vous allez nous dire dans un instant. Mais Ariel, moi, ça me fait peur. Vous savez, je suis végétarienne. Ah, il n'y a rien. C'est tout. On dirait des yeux. C'est la... Non.
Oui. Ce sont des knödels faits avec une farine spéciale. Que vous appelez comment vous la soupe? Farine de pain azyme. Mais Michou appelle ça la soupe aux boules. La soupe aux boules. C'est d'accord. La soupe aux boules, mais c'est des drôles de boules. Mais il y a la soupe aux moules et la soupe aux boules. Et il y a la soupe qui te met les boules. Voilà. Oui. Mais attends, je montre non, mais les boules c'est parce qu'elles sont drôles. Hein. C'est très touchant. Elles sont très mignonnes. Voilà. Je vous laisse goûter. Attendez, Ariel va goûter, c'est important parce que vous allez me dire si vous aimez. Est-ce qu'on a le droit de goûter d'abord le petit jus? Le petit bouillon. C'est un bouillon. Un bouillon. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas des poissons ou je sais pas. Ariel, vous n'êtes pas en terre inconnue, vous pouvez goûter. Ah, formidable. Ariel, attention, chaque boule, c'est 5 grammes. Non, non, mais attends. Non, mais Ariel, goûtez les boules. J'ai peur de manger la boule. On peut prendre un tout petit. Goûtez nos boules. Un tout petit bout. Bon, parce que. Attends, alors je la prends comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Mais c'est mou. Ah, oui, c'est mou. C'est mou, mais c'est bon. Mais c'est moelleux. C'est pas mou, c'est moelleux. Attendez, bon, alors attendez. C'est moelleux. Ah oh. Délicieux. Ah. Alors, voilà. Explication de cette soupe, Michel. Bah, c'est la soupe que la maman de Gérard et de Robert ont fait. Et ma maman, qui était la meilleure amie de Stéphie, leur maman. Essayez-vous près de lui. Je continue voilà. C'était les deux sœurs, quoi. Je perpétue les traditions culinaires de la famille. Nos parents ne sont plus là. Ils sont très présents dans nos cœurs. Et je le répète. Ils sont connus. Gérard et Robert, oui, ils sont connus à Vienne dans une autre vie. Enfants, ils ont vécu ce que vous imaginez, et l'Empire austro-hongrois, la Pologne, la Roumanie, la Bessarabie, c'est maintenant l'Ukraine. Et c'est vrai que ce ne sont pas mes deux meilleurs amis, c'est ma famille. C'est la seule famille qui me reste, je le répète. Et la plage de Saint-Père, c'est lui qui vous l'a soufflé. Oh. En tout cas, moi, je peux dire que si vraiment vous l'avez nourri avec ses boules, eh bien... Ça l'a fait parce que nos mamans étaient d'excellentes cuisinières. Michel, prends une boule. Habituellement, quand je lui apporte cette soupe, voilà. C'est dans l'intimité. La soupe aux boules sur un plateau de télé, c'est la Madeleine de Proust de Michel. Merci beaucoup, sincèrement, d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. La grande porte. Merci. Gérard et Robert, merci beaucoup. Je suppose qu'Ariel, vous avez des saveurs de votre enfance au Mexique. En goûtant ça, vous n'imaginez pas l'émotion. Qui m'étreint. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que voilà, vous êtes né de nationalité américaine. Oui. Hein, vous avez grandi au Mexique. Un de vos points communs avec Michel, c'est que l'enfance et l'adolescence, c'est pas votre période préférée dans votre existence. On peut dire ça? Oui, l'enfance, ça va encore, mais après, l'adolescence, ça ne me plaît pas. D'accord. Pour qu'on comprenne à quel point, c'est que vous vivez un drame à l'âge de 11 ans. C'est votre maman qui décède. Oui. Et vous êtes entre la main de votre papa. Voilà. Mais c'est une formule, parce que votre papa, il a plein de trucs à faire. Oui, c'est-à-dire, il a surtout un autre amour, une autre vie, d'autres passions. Oh là là, c'est votre papa, Ariel? Oui. C'est pas Johnny Wales Miller, c'est votre papa. Qu'est-ce qu'il est beau, là. Ah, il est très, très beau. Et là, d'ailleurs, les gens lui demandaient toujours des autographes, hein, parce qu'il avait l'air d'un acteur hollywoodien. Hollywoodien. Ah, oui. Et surtout, son papa était tellement séduisant, avait un tel charisme que lorsqu'il rentrait dans une pièce... Tout le monde se retournait sur lui. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec les femmes. J'imagine. Donc il n'avait pas beaucoup de temps pour sa fille? Non. Et pour son fils? Non, non, il n'avait pas beaucoup de temps. Elle aime tellement pas l'adolescence qu'il y est retourné en enfance, justement. Qu'on comprenne, effectivement, parce qu'on me fait des commentaires là, pour expliquer ce que vous êtes aujourd'hui. On me dit, cette enfance-là n'était pas formidable, elle s'est créée, cette enfance, plus tard, elle a décidé de... C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, je crois que comme Michel, il a eu donc cette femme qui lui dit, qui essaye aux yeux du père de le rendre un petit personnage inintéressant, inapte, mauvais, tu n'iras nulle part, cache-toi, tu es l'enfant de l'ancienne femme, disparaît. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est souvent vous avez ce qui vécu arrive. Ça ? C'est très complexe, oui. Mais moi, j'ai eu le sentiment d'être réduite à un petit être inintéressant au possible. Mmh. Et alors on se sent, eh bien on se rétracte. Et c'est pour ça qu'elle allait aussi beaucoup se réfugier avec les enfants mexicains qui traînaient dans la rue. Elle se comparait beaucoup à eux aussi. Alors justement, on essaie de vous imaginer à l'école, adolescente à l'époque. Ouais. Oui, alors Ariel était très très mauvaise en orthographe à l'école parce qu'elle passait d'une langue à l'autre. Elle passait de l'espagnol à l'anglais
aux Français. Mais elle était, paraît-il, aussi très, très dissipée. Elle avait tout le temps un zéro de conduite. Vous alliez à l'école ou à l'adolescence? Alors, j'allais au Liceo Franco-Mexicano. D'accord. En México, México DF. Et mon premier idioma era l'espagnol. Votre première langue, c'était l'espagnol. Oui, voilà. Moi, j'aimerais qu'on visite ce lycée pour voir si ça vous provoque quelque chose. Ah, d'accord. On va visiter ce lycée. Et ouais. Vous connaissez bien le guide, regardez. Bonjour Ariel, je suis Antoine, le neveu d'Ariel. Je vais vous faire un parcours du lycée franco-mexicain. Mon école, c'est où Ariel a passé son adolescence. Suis-moi Ariel, je vais te faire revivre. Ah, quel lindo! Nous voici dans le hall. Reconnais-tu ce mural? Des fois, quand je suis ici, je pense que ça, c'est toi. On est maintenant dans la tiendita. On mange toujours les choses mexicaines. Mais la meilleure chose d'ici, ce sont les chupapos. Rappelle-toi, Ariel, tu mangeais ça quand tu étais petite. Ay, que lindo. Je suis dans l'auditorium. C'est peut-être ici où tu as fait tes premiers pas sur scène. Bonjour. On est maintenant dans ma classe avec mes camarades et mon prof de maths, Monsieur Guimard. Ça, c'est ma classe, c'était peut-être la tienne, mais bon, c'est l'heure et je te dis au revoir, Ariel. Adios, tia. Très émouvant. Je ne m'attendais pas à voir cet adorable petit garçon. Votre neveu Antoine, qui est là-bas, dans votre lycée, là où vous avez grandi. Ça me donne envie de pleurer. Mignon. Il est beau, hein? Oui, c'est le fils de mon frère. Oh, il est beau. Et il est charmant. Et alors, il aime beaucoup se déguiser et tout ça. Et il m'appelle Tia Chupa Pop. Parce que j'adorais justement les trucs avec la boule, là. Ah, on comprend encore mieux, une histoire de boule. C'est un autre point commun. Voilà. Mais Antoine est adorable. Alors on dit, est un niño muy rebelde, le fils de mon frère. C'est un petit garçon très remuant, c'est ça? Très turbulent et qui... Ah oui, il fait aussi toutes sortes de sports et il est champion de hockey sur glace. Fantastique. Ariel adorait au Mexique aller dans la rue et surtout aller voir les matchs de catch. Elle avait ses idoles étaient en fait des catcheurs. Mais c'est drôle. Il fait pas de catch, lui. Ah, il devrait faire du catch. Vous aimiez le catch? Ah oui, j'adore le catch. Et il y a notamment un personnage qui est délicieux et qui s'appelle El Santo au Mexique. El Santo, c'est un catcheur. Mais un catcheur des quartiers pauvres. C'est Bernard-Henri Lévy, on l'a reconnu. Pour la population. Ah, mais pourquoi vous riez? Parce qu'on nous dit que c'était votre mari déguisé. Oh. Mon mari. Bon, et alors, El Santo, c'est un personnage très candide et merveilleux. Qui catch, qui a toujours sa mascarilla de plata. Et on parie sur le catch. Et l'argent du catch va au quartier pauvre pour mettre l'électricité. Voilà, c'est très, très joli. Et j'adorais ce catch un peu naïf. Donc le catch, ça, par exemple, ça vous dit quelque chose, ça? Oh, mais que c'est trop mignon. Mais oui, c'est une petite souris, pauvre petit bébé. Mais elle est mignonne, c'est une petite souris blanche, regarde. Faut que le public sache qu'il y a des rats dans les loges. Oh. Alors tu vois, pour moi, les petites souris, elles m'ont sauvée. Oui, donc Ariel s'était offert un couple de souris et puis elle les a cultivées dans un aquarium qui est devenu du coup un vivarium. Et il y a eu une inflation démographique de souris que la maison a gérée jusqu'à ce que son père liquide le vivarium. Mes petites souris, j'ai eu beaucoup de petites souris quand j'étais enfant et adolescente. Et elles étaient dans un immense aquarium. Oh, petite chose. Et elles m'attendaient en revenant de l'école. Et elles se dressaient sur leurs petites pattes. Et elles m'attendaient et elles m'aimaient. J'ai reçu beaucoup d'amour
de mes petites souris. À cette époque-là, vous n'en aviez pas beaucoup. C'est pour ça que vous dites « elles m'ont sauvée » en fait. Elles m'ont sauvée, mais parce que j'avais acheté un tout petit couple de souris hawaïennes. C'est des petites souris beiges, toutes petites. Elles ont fini dans le grille-pain de Michel Drucker. Et malheureusement, elles ont eu beaucoup de bébés. Et à un moment donné, j'avais 60 souris. Alors évidemment, mon père n'était pas content du tout. Et ça attirait, dans la maison, il y avait un grand jardin aussi, des immenses rats. Et pas de chats ? Eh bien non, j'avais pas de chats à l'époque. Gâteau, non, il y a le gâteau. Et alors, papa a pris un pistolet et tiré en l'air pour effrayer dans le jardin les grands rats qui étaient attirés par les souris. On s'ennuyait pas chez vous. Hein. Vous êtes capable, vous, de la prendre aussi ? Elle est charmante. Vous êtes à l'aise avec les animaux, vous ? Ouais. Ceux-là, par exemple ? Oh là là. C'est un souvenir incroyable. C'est mon aventure avec les cailles. Tout ce que je vais vous raconter est authentique. Je reçois M. Varin, grand spécialiste des animaux de cinéma. Et à la fin de l'émission, je vois qu'il m'avait laissé un petit cadeau sur mon bureau, une petite boîte. C'est marqué « Caille, fragile, attention, c'est très fragile, elles ont quelques jours. Il faut les maintenir à une température entre 25 et 30 degrés. » Je panique, il me dit parce que en quelques minutes, ça peut être terminé. Et moi, je prenais immédiatement l'avion pour Avignon. J'appelle Dany qui est en Provence, qui m'attend, branle bas de combat, j'ai des cailles, 30 degrés, je panique. Je fais chauffer ma voiture devant le pavillon Gabriel pour qu'elle soit à 30 degrés. J'ai ma petite boîte avec mes cailles, je fonce à Orly, j'arrive avec mes cailles, je dis, mon Dieu, elles n'ont pas beaucoup d'autonomie, 30 degrés, j'arrive au comptoir, je vais voir l'hôtesse de l'air, et je lui dis, comme ça, mais vraiment, je lui dis, écoutez, mademoiselle, j'espère qu'il n'a pas de retard, parce que moi j'ai des cailles qui vont prendre froid. Elle me regarde bizarrement, c'est ça, monsieur Drucker, vous avez des cailles qui vont prendre froid, c'est normal. Elle me dit, tiens, je ne sais pas qui se droguait. Elle appelle le chef d'escale, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Drucker, il y a un problème? Ben, j'ai dit, oui, j'ai des cailles qui se caillent. J'ai des cailles. C'est bon, hein? Ah bon, mais écoutez, l'avion a du retard. Manque de chance. Je protège mes cailles pour pas qu'elles prennent froid. J'appelle tous les quarts d'heure Dany. Je lui dis, envoie-moi Claude, qui est un de mes collaborateurs, me chercher à l'aéroport d'Avignon, comme toujours, qui fasse chauffer la voiture. J'arrive à Avignon, je fonce. La voiture est chauffée. J'ai dit, pourvu, si jamais il y a deux cailles qui sont mortes, je rentre pas à la maison. Et Dany me décapite. J'arrive, vite les cailles, ne dis même pas bonjour, vite les cailles au chaud, avec on a mis un chauffage électrique dans une petite salle de bain. Très bien, parfait. Et il y avait un petit mot de M. Varin que je lis maintenant. Il dit, voilà, cadeau pour vous et votre épouse. Attention, il va falloir très vite, dans une vingtaine de jours, séparer les mâles, car sinon, quand ils commencent à grossir, ils se battent entre eux. J'ai dit, très bien. J'ai dit, mais comment reconnaître les mâles des femelles? Alors, Dany me dit, c'est pas grave, je vais appeler un monsieur, d'ailleurs. J'appelle M. Varin, qui me dit, appelez ce paysan spécialiste des cailles. Allô, bonjour, c'est Michel Drucker. J'ai un problème, comment on sépare les mâles des femelles? C'est très simple, hein. Vous les chatouillez sur le croupion, et si ça mousse, ce sont des mâles. Authentique. C'est une histoire vraie. Authentique. J'ai dit, Dany, écoute, t'as déjà chatouillé des cailles? Il me dit, non, moi, je ne chatouille pas les cailles, hein. Et voilà, et je vois Dany qui a appris maintenant à chatouiller les cailles. Et à chaque fois que ça moussait, mal. C'était surréaliste. Les mâles ont grossi et ça nous a coûté 30 cages. 30 cages. Elles ont grossi, elles ont vécu 4 ans chez nous. Et quand je racontais ça à mes copains, ils me disaient, dis donc, si ta femme, dès qu'elle tourne le dos, une caille au raisin. On n'a jamais mangé les cailles. Elles sont mortes heureuses chez nous. Non, merci, monsieur Varin. Magnifique histoire. Alors, évidemment, à l'un et à l'autre, on ne peut pas raconter tout votre parcours. Parce qu'on se régale, on se régale. Donc, on va faire ce qu'on appelle des ellipses, des focus comme ouais. Ça. Donc, je voudrais que vous nous racontiez ce jour où votre vie bascule en 10 minutes, la première fois de votre existence que vous passez à la télévision. J'avais 21 ans et Zitron m'avait dit « Préparez-vous, toujours, on ne sait jamais. » J'étais là depuis 6 mois, je fais des commentaires off, on connaissait ma voix, mais c'est tout. Il m'avait dit « Ayez toujours une chemise, une cravate, un blazer, même si vous êtes en jean, on ne sait jamais. Le lendemain, il faut que je remplace quelqu'un. » Et voilà. Voilà la photo historique. Quel souvenir de l'intérieur de ce moment ? Effrayant. J'ai été pris de panique parce qu'on m'avait pas dit. Voilà. On m'avait pas dit. Ça que se voit pas la panique. Non, je veux dire pourquoi. Je ris parce que de chaque côté, il y a Zitron qui vient à la table, Couder qui vient à la table. Je suis pris de tremblement. On m'avait pas dit quand on passe pour la première fois à la télévision. Je dis ça aux stagiaires.
mettez vos feuilles à plat. Si vous faites ça, vous êtes cadré comme ça, le tremblement se voit. Donc j'ai été pris d'une crise. Ça a duré 12 minutes. Le lendemain, dans la rue, tout le monde disait « Ça va mieux depuis hier soir ?» Et c'était le démarrage. Papa téléphone. Mon père est devant l'écran. Il est au bord du collapsus. Ma mère, en plus, mon père, le jour où il me voit, il y avait une dame qui était là, qui avait un problème gynécologique et qui était dans la position que vous imaginez dans le cabinet. Ma mère est en haut et hurle « Doliu !» C'était le diminutif roumain. « Viens voir !» Mon père, entendant ce cri, plante cette dame dans la position que vous imaginez. Il monte et il me voit. Et là, il a demandé au renseignement. Il a appelé le patron de l'époque, M. Marciac, qui nous a quittés il y a quelques mois. Il tombe sur M. Marciac. Je suis docteur Drucker de Vire. Je suis le père de l'incapable qui est devant le poste. Vous avez vu dans quel état il est? Il est stressé. Il n'a pas de syntaxe. Il n'a pas fait d'études. Il ronge ses ongles. Vous courez à la catastrophe avec lui. Je ne veux plus jamais le voir devant une caméra. Marciac me convoque. Il me dit, Michel, votre père vient de me dire de vous interdire d'antenne. Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Eh bien, ça m'a beaucoup servi car il a rappelé mon père et dit, vous savez, docteur, vous vous trompez. Vous allez passer un mauvais moment parce que je vais mettre votre fils à l'antenne tous les dimanches jusqu'à ce qu'il ne tremble plus. Oh, merci Raymond Marcy. Alors, pendant un moment, parce que le public a un peu oublié cette carrière, vous êtes journaliste et sportif. Je suis allé au Mexique, j'ai commenté 5 Copa del Mundo. Me voici avec un jeune homme qui m'a été vraiment très précieux. Je ne le remercierai jamais assez. Il m'a tenu la main. Il m'a amené avec lui au foot pour la première Thierry fois. Roland. C'est Thierry Roland que vous voyez. Qui est sur cette photo. Merci Thierry. Je voudrais qu'on revienne à une période des années 60-65 où nous avons passé des moments merveilleux au service des sports de la seule unique chaîne de télévision. Dans mon cœur, ça fait 1h15 qu'il bat comme ça. Je sais. Et je voudrais dire quand même que Michel Drucker adore faire des blagues. Eh bien, on avait un directeur ou un chef de service qui s'appelait Loïs Vanlé. On sort comme horreur dans l'oreillette de Frédéric encore. Michel Drucker, un jour, a mis du camembert dans l'endroit où on parle. Et ce pauvre Loïs Vanlé était persuadé qu'il avait mauvaise haleine. Et le lendemain, il est revenu avec du dentifrice et il se lavait les dents tous les quarts d'heure. Voilà le genre de blague que Michel Drucker aimait faire avec nous. Et il accusait toujours les autres, c'est-à-dire les Colaros, les Fulas, les Drey, etc. Il n'était jamais dans ce coup-là. Michel, j'imagine qu'il va passer un mauvais quart d'heure. J'ai entendu des « ou » et des « i ». Il y a une petite chose que tu nous as pas dite, Michel. Alors, pendant ces années du journal des sports, c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance, on peut le dire. Vous faisiez des blagues les uns les autres. Oh là là, si vous saviez, je peux pas vous la raconter. Bah, au moins une. Oh. Ce garçon qui croyait à cause de vous qu'il avait mauvaise haleine. Comment? Comment il s'appelait ce garçon? Loïs Vanlé. Ah, Loïs Vanlé, c'était notre patron des sports. Ben ouais. Oui. Et vous aviez mis du camembert dans son téléphone. Qui vous a dit ça? Même parce que personne connaît cette anecdote. C'est vrai. C'est vrai. Mais on a fait pire que ça. C'est-à-dire? Avec un complice de l'époque, d'ailleurs, qui nous regarde peut-être ce soir. À l'époque, il y avait des speakerines qui étaient à l'antenne toute la soirée. Souvent, elles tricotaient en attendant la fin du film. Et il fallait pas se tromper. Fin du film, générique. J'espère que vous avez beaucoup aimé le film d'Henri Verneuil, La vache et le prisonnier. Et voici maintenant, les cures pour tous. Et on se retrouve tout à l'heure. Et on avait avec ce copain, je vous dirai le nom tout à l'heure, calculé exactement avec la régie finale à quel moment le film se terminait pour donner un coup de fil à la speakerine qui avait le téléphone. Et on lui sortait des horreurs. Alors, ça donnait ceci. C'est vrai que vous avez de belles jambes. Il sera 22h15. Et il est arrivé une mésaventure à une speakerine, je tairai son nom, qui à la fin d'une journée harassante a terminé à minuit à attendre souvent. Et, la fin des problèmes. Et là, elle a dit, voilà, il y avait la pendule qui arrivait, il est minuit et quart, j'espère que vous avez passé une bonne soirée sur notre chaîne. À demain avec Daniel Gilbert, à midi et demi, bonne nuit, douce nuit, faites de beaux rêves. Là, la pendule arrive et là, le technicien de la régie, l'ingénieur du son, un peu fatigué, oublie de fermer le micro. Et il dit, ah, maintenant je vais retrouver mon mec. Il ne m'a pas sauté depuis 15 jours. Et là, en régie, paf, trop tard. Écoute, Frédéric, je ne vous mens pas. À l'époque, il n'y avait pas autant de téléspectateurs, mais quand même pas mal. Et à minuit et quart, il y en avait encore.
suffisamment pour que dans la rue, le lendemain, on lui disait « C'était bien hier soir ?» Faites très attention, les micros parlent. Non, c'était des blagues de l'époque. On m'a dit quand même que... Bon, ben, en fait, vous ne faisiez jamais gronder, vous. Oui, c'était les autres qui prenaient pour moi. Ouais. C'est pas que j'étais lâche, ouais. Mais j'étais l'avant-dernier maillon. C'était pas le dernier. Mais avec ce copain, souvent, je le dis, hein, je te balance. Il est maintenant le patron des sports de France Inter. Il était le petit-neveu du général de Gaulle. Il est toujours, c'est Jacques Vendroux. Bon, eh bien, lui et tous ceux qui étaient avec vous à cette époque, même s'ils étaient derrière comme ça, ne sont pas rancuniers. Mais messieurs, on les applaudit très fort. Non. Ah, oh là là. La voilà qui revient, la voilà, mine de rien. Ta bicyclette, même au coin de ta rue, c'est en vélo que tu fais. Tous tes emplettes, les copains de Paris se joignent tous à moi pour te dire, cher Michel, qu'on est fiers de toi. Et on n'oublie jamais l'amitié qui nous met le cœur en fête. Quand les gens te saluent dans le quartier, tu t'arrêtes sans problème pour leur parler. Le public reconnaît ta bicyclette. Ouais, ouais. Souviens-toi de Mexico, de Lourdes, de Colorado, des blagounettes. Savant où savait faire, même Roland manquait d'air. Aisez la tête, faut parler de Fula, c'est Biscotto, devenu une grande star à la Gano. Mais on n'oublie jamais Marcillac et Vanlée, de vrais prophètes. Et Citrone et Kidé, l'ami Le Lio, sans oublier Jeannin et Jacques Perrault, et Chapatte et Coudert, des modèles pour Drucker. C'était pas la panique, y avait pas d'oreillette, c'était très chouette. Merci. Merci. Venez autour de lui, venez autour de lui. Merci beaucoup. Frédéric. Bonsoir. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Ah, c'est ça, un bon souvenir. Ça, c'est mes copains de toujours. Jacques Vendroux, Michel Drey, Stéphane Tolaro, Thierry Roland et Pierre Fula. Venez, on l'a très fort. Venez. Venez autour de lui, installez-vous, Michel, venez tout près de lui. Quelle équipe. Bon, là. Alors là. C'est une belle image. Hein. Thierry, il m'a amené pour la première fois au parc dans une autre vie. Et j'étais fasciné parce que c'était déjà un grand reporter. Puis il a vu une triomphe. Il adorait les triomphes blancs de la Terre 3. Pierre Fula, ici Nagano, il pleut de la choucroute. C'est lui. Le copain de Nicolas Canteloup. Ouais. Michel Drey, Ariel. La Coupe du Monde au Mexique, ah Mexico, oui, ah la oui, Copa oui. del Mundo en 70, ça l'aspect c'est avec ouais. Les plus jeunes, on nous demandait de nous laisser passer, on avait 26 ans, on était des gamins, c'était un grand souvenir. Jacques Vendroux, alors lui, il dirige les sports de France Inter, on a connu Jacques, on a fait des bêtises, quant à Stéphane Colaro, alors il commentait la Formule 1, la course automobile, il était déjà très pointu, mais surtout, il connaissait déjà Jacques Martin, et le premier de nous tous, enfin avec moi, grâce à Michel Arnaud, qui a mis un pied dans le divertissement, et quel divertissement avec le sujet qu'on connaît, c'est Stéphane. C'est lui qui a écrit La pêche aux moules, mais ils ont tous, quelque part, écrit à leur manière une page de l'histoire de la télévision. Là, qu'on les applaudisse. C'est une très, très belle photo. Ouais. Mais lequel d'entre vous va avoir le courage de raconter devant Michel ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Donc, le côté, on fait des blagues, mais il n'est pas au premier rang pour se faire engueuler. Le coup de la bagnole de Contamine, quand même, c'est qui descend, qui était Contamine. Le président de la chaîne. Qui nous regarde. Qui descend quand même pour aller à son déjeuner. Non, mais on peut le dire, il y a 40 ans. On peut raconter l'histoire, il y a 40 ans. On peut raconter. Il descend pour aller à son déjeuner. Il ne peut plus nous sanctionner. Bien. Et Jacques imitait très bien le président. Alors, il appelle la réception en bas, et il fait « Allô ?»
Bon, on a le temps. Vous changez les pneus. Vous mettez les pneus de devant derrière, ceux de derrière devant. Et l'autre, il descend midi moins 10 pour aller à son déjeuner. La bagnole, elle était sur cale. Attends, la semaine suivante, on appelle et on fait. Monsieur Contamine est parti déjeuner. Il y avait des travaux devant la porte. Il aimerait bien faire pousser du gazon dans son bureau. Est-ce que vous pourriez monter 4 boîtes de terre? Eh, hey, mais c'est bien à quoi Patrick de Carolis et du Hamlet, ils savent à quoi ils ont échappé aujourd'hui. À quoi ils ont échappé? Non, mais lui, les speakeries, le coup de téléphone de speakeries, c'était toi. Et quand j'ai dit, vous savez que vous êtes belle jambe, j'ai été très poli. Assez soft, on a senti le féminisme. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. On a inventé, je ne sais plus qui l'a fait, on a inventé un champion qui était un copain à nous, qu'on mettait à toutes les choses. Il s'appelait Crochard. Dominique Crochard. Un copain à nous. On le mettait 4e du cross de Mésidon. On le mettait 10e du marathon. Oui, le marathon. On l'a mis. Et les journalistes de l'équipe disaient. Mais il existait vraiment. Mais qui c'est ce Crochard? C'était notre copain. Le soir, on disait alors, cross de Mésidon, premier Mimoun, deuxième Jersey, troisième Crochard. Et on l'a cité pendant 10 années. Je me suis dit, mais qui c'est ce Crochard? C'était un copain à nous. Il y a des gamins quand on vous voit ensemble. Non, mais on est resté très jeune. On est resté très frais. C'est vrai. Il faut parler un peu fort. On dirait des gosses. Alors, recordman des Coupes du Monde, c'est lui. Lui était un champion d'haltérophilie. Jacques est le patron de France Inter. Tu as été le premier à m'interviewer. Oui, absolument. Absolument. Il était jeune déjà à l'époque. Oui. Et Stéphane. Un champion Stéphane. De la décalade. Et ouais. Vous avez cité François Jeannin. Vous avez entendu Jacques Perrault. Vous avez entendu Roger Coudert, Robert Chapat. C'est mon enfance à la télé. Comment voulez-vous que j'oublie ça? Magnifique. Magnifique. Je vous remercie très sincèrement. Il y avait juste une photo. La photo. La photo. Ah oui. On est tous sur les épaules de Pierre, Raymond Marcillac, mon patron, et moi sur les épaules de Pierre qui était déjà un haltérophile costaud. Hein. Une autre photo que j'ai beaucoup aimée. Non, c'est pas truqué. Non, c'est sans trucage. Hein. C'était Télé 7 jours. Voilà, magnifique, regardez, voilà. Michel. Oui, on était à Las Vegas avec Michel. Oui. On n'avait plus un rond, on a appelé Lynn Renault déjà à l'époque. Ah oui, non, formidable. C'est vrai, elle nous ça, a dépanné. C'est une anecdote formidable. Alors, on rentre du Mexique, on n'a pas un rond, on se dit quand même, on ne va pas rentrer en France comme ça avec l'argent qui nous reste. Il nous restait 8 jours de vacances. On s'en va là, hein, la Californie, Nevada, Vegas, tout ça. On arrive à Vegas, on n'avait plus un rond. On tombe en panne d'essence à Virginia City. Yes. Et tomber en panne d'essence, pas de clim, 40 degrés. Je dis une seule adresse, Lynn Renault, qui était déjà là-bas. On appelle Lynn Renault qui n'était pas là, elle était dans un autre casino. Et sa maman nous répond et elle nous a reçus. Elle nous a dépannés, elle nous a nourris, blanchis, nous a donné un peu de sous pendant 8 jours. On a vu les plus grandes stars à l'époque, Trini Lopez, Andy Williams, on a vu tout le monde, tout le monde. Et Lynn a été gentille avec nous parce qu'on était inconnus et on s'est retrouvés le lendemain, nous, les bras cassés, avec le tout Hollywood. C'est un souvenir magnifique. Ah ouais. Merci beaucoup, merci sincèrement. Merci. Merci à vous, je vous laisse repartir par la grande joie. Merci Pierre. Merci Stéphane. On vous applaudit très fort, s'il vous plaît. Là, vous m'avez cueilli à l'estomac. Si vous savez des souvenirs que j'ai avec eux, ils ont été très gentils parce que... Fais pas long, Michel, fais pas long, parce qu'on en a marre des vieux. Ça vanne, forcément, ça vanne. Mais ils sont encore là, tous, hein. Ils tiennent la route. Hein. Ariel. Mignon, ouais. Le public vous découvre au cinéma dans Perceval le Gallois, ouais, d'Éric Rohmer. Ouais. Comment on passe de la petite fille qui grandit au Mexique à ce film culte aujourd'hui? C'est-à-dire que comment ça se passe, le déclic? Mais le déclic, c'est que j'arrive en France et puis je vais tout de suite, salle Pleyel, continuer la danse. J'avais commencé la danse déjà depuis toute petite. Et puis, je commence à prendre des cours de théâtre avec Andreas Boutsinas. Et puis voilà, tout simplement... j'entends un des garçons qui me dit « Mais tu sais, on cherche une très jeune fille pour jouer la première héroïne du roman français, Blanche Fleur. » Et je suis allée à l'audition, mais il fallait savoir chanter. Et en fait, voilà, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ah, non. Non, bon. Parce que vous avez bougé sur votre siège. Ah, oui, d'accord. Mais... C'est un rôle qui devait être initialement joué par Brigitte Bardot, en fait, hein, au Alors... départ. Le grand public vous découvre dans Pauline à la plage. Ouais. Et ce rôle n'est pas écrit pour vous au départ? Non, c'est vrai que c'est un rôle que Éric Rohmer avait écrit pour Brigitte Bardot. Voilà, Pauline à la plage. Ça doit mettre la pression quand on sait ça. Oui, c'est vrai. Lorsque Ariel a rencontré pour la première fois Brigitte Bardot lui a dit qu'elle aurait pu, que si elle avait eu une fille, ça aurait été Ariel. Vous l'avez rencontrée? Et je l'ai rencontrée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Et elle a eu cette chose tellement gracieuse. Elle m'a dit, écoutez, je peux vous dire que vous êtes la seule actrice qui pourrait être ma fille. Alors ça, l'idée de cette phrase de Brigitte Bardot, ça m'a complètement bouleversée. Il y a un critique du Los Angeles Times pardon, qui a dit qu'Ariel était l'actrice la plus sexy depuis Brigitte Bardot. Mais alors justement, un critique américain à ce moment-là vous compare, vous dit de vous, la phrase est incroyable, Ariel Dombal, l'animal le plus sexy que la France nous ait offert depuis Brigitte Bardot. Donc là, en plus, c'est ça, c'est qu'on vous met dans la même phrase à chaque fois, à ce moment-là. Oui, oui, mais... J'adore la modestie, non, mais c'est pour vous, oui. C'est énorme à ce moment-là, j'imagine. C'est énorme. Et je dois dire que c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur Brigitte Bardot, parce que comme ça, il y a tout à coup des méchancetés qui se déchaînent sur quelqu'un. Et Brigitte Bardot est une figure légendaire, merveilleuse. Ça a été vraiment la plus belle femme du monde. Et j'adore aussi tout son combat pour les animaux. C'est un cœur pur, Brigitte Bardot. C'est quelqu'un de merveilleux. Vous allez faire un commentaire ? C'est quoi ? Non, je voulais dire que si vous voyez des photos sexy d'Ariel et vous voyez des photos sexy de Brigitte, quelles que soient les époques, elles ont la même silhouette. Spécialiste. C'est vrai. Non, mais effectivement... Le Los Angeles Times vous met dans le hit parade des 10 femmes les plus belles du monde. Mmh. Vous vous retrouvez dans des séries américaines. Tout le monde se souvient de Miami Vice, votre participation, ouais. Le Sein. Tiens, vous avez une carrière qui est sans doute unique dans le cinéma français, puisque vous êtes une égérie du cinéma d'auteur et d'art et d'essai. Et puis, vous faites des films très grand public. On se souvient d'Un Indien dans la ville. Oui. Vous faites de la télévision aussi. Oui. Vous avez même eu une frangine à la télévision qui voulait vous dire un mot. Ah oui. Mon Arielita, bonsoir. Alors... Outre le fait que tu es une fille tellement épatante, généreuse et intelligente, et que je t'admire surtout parce que tu es une fille tellement libre, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais quand même, avec toutes les qualités que tu possèdes, je voudrais savoir comment tu fais pour marcher sur des talons de 32 cm à longueur de journée. Où tu mets les 3 litres et demi de thé que tu bois par jour? Ah ouais, ouais. Et puis je me suis laissé dire qu'à une époque tu conduisais, que tu étais une excellente conductrice et que tu te garais toujours aux bons endroits et que tu avais 250 000 contraventions et que tu as essayé de les faire sauter. Rappelle-nous un peu, je me rappelle plus bien comment tu faisais, toi, la rebelle cachée. Alors parmi les questions de Michel Bernier, il y avait donc comment fait-elle pour marcher avec des talons? Vous entraînez des talons si hauts, elle donne des centimètres, elle. Hein. Oui, donc, une vrai. Réponse à donner c'est à ça, vrai, à cette question. Vrai. Ah, mais alors, c'est vrai que je suis la plus petite de toute ma famille et depuis mon enfance, je marche toujours sur la pointe des pieds. D'accord. Et l'autre question donc, qui va intéresser le public, parce que je ne sais pas s'il y a un conseil à prendre. Hein. Ah oui. Vous aviez une technique pour ne pas payer les PV, nous dit-on. Oui, j'étais une très vilaine fille, car... C'est vrai que j'avais une toute petite voiture, une Austin, et je me garais toujours un peu n'importe où. Et surtout la nuit, j'allais pas me garer loin. Après, j'avais peur de marcher entre ma voiture et la maison. Et donc, je garais ma petite Austin, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, dans un tout petit coin, un peu n'importe où. Et j'avais énormément de contraventions. Et comme je ne voulais pas les payer, comme beaucoup de gens, hein, eh bien, j'avais trouvé un truc... C'est quand les contraventions arrivaient chez moi, donc majorées en plus, je renvoyais le petit papillon et vous savez, on met changement d'adresse, etc. Et il y a une case qui est décédée. Et donc, je marquais... Attendez la petite... suite de l'histoire. Décédée, et puis voilà, et tout allait bien, j'étais heureuse comme tout, je ne payais pas mes contraventions. Ça, c'est le côté rebelle et anarchiste. Voilà, libre comme l'air. Et puis un jour, je dois faire renouveler mon passeport... Et je vais à l'île de la Cité pour le faire renouveler. Et puis tout le monde très gentil, ah, Madame Dombal, etc., on vous aime beaucoup et tout, ah, c'est merveilleux. Voilà le moment du passeport. Et puis, n'est-ce pas, il y avait comme une baie vitrée, comme ça, je vois que les gens parlent, etc. Je me dis, tiens, il y a quelque chose de bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je revois les gens qui reviennent un peu décomposés, tout, oui, écoutez... on ne peut pas vous rendre votre passeport parce que vous devez aller
D'abord, au service des PV. Au service des PV, quai de bitume. Alors je dis, quai de bitume, mais quelle horreur, rien que le mot me fait très peur. Et puis je dis, mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Je crois, malheureusement, Madame Dombasle, que vous avez une petite dette envers l'État. Et je suis partie entre deux gendarmes. Et la somme, est-ce qu'on peut savoir quelle est la somme à ce moment-là? Eh bien, je devais 120 000 francs. Vous imaginez mais oui, le nombre de francs c'est les majorations. C'est les majorations. Les majorations. Bon, et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma petite hostie pour payer mes contraventions. Et bien maintenant, j'ai un chauffeur. Bon, alors, on parlait effectivement de votre sœur à la télévision, au cinéma. On vous a vu dans tous les rôles, et vous avez dit un jour dans une interview, j'espère que vous vous souvenez de cette phrase, « Quand je joue un personnage très éloigné de ce que je suis et que j'y parviens, je suis très heureuse. » Vous avez dit cette phrase, hein ? Oui. Alors, on aimerait, juste pour le plaisir ce soir, que vous rendiez hommage avec Michel à un monument du cinéma français. Vous acceptiez comme ça pour le jeu de vous mettre dans la peau de ces personnages que le public connaît par cœur. Ouais. Le Père Noël est une ordure. Voilà, pour Michel. Très bien. J'ai bien fait de venir. On ne vous voit pas. Regardez, c'est difficile. Ariel, hein. C'est comme Marianne Chazelle. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Je vous laisse vous installer dans le canapé. Allez-y. Clavier dans le film, il boite. Hein. C'est vrai. Parce qu'il perd son talent. Hein. Exactement. Jusqu'au bout, Michel, jusqu'au bout. On va montrer le trucage. On va leur montrer sur l'écran. Regardez, vous êtes dans le décor. Ouais. Ok. Heureusement que mes parents sont pas là. Enfin, si j'en juge par votre audimat, il y a beaucoup de monde qui regarde l'émission. Et voilà, c'est tout à fait cool. Vous donnez le numéro, ça fait mal dans le col. Regardez. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les casses, ça déborde. Mais quoi, je passe pas sur la fauche. Qu'est-ce que tu prends, mon bon Michel? Bon, exercez-vous une activité professionnelle, ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Mais ça dépasse, évidemment que ça dépasse. Mais, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Zézette et Pouzix? Mais bon, Zézette et Pouzix, mais t'as l'air à faire, regardez, le touffe-touffe, on le fait verguer les veuves comme ça dans tes jeunes filles. Et Pouzix, tu t'en veux, alors moi je suis Zézette, mais encore. Mais X, vous êtes marié à X peut-être? Mais évidemment, mais qu'est-ce que tu dis? Regarde, pas de mari, seulement je peux pas leur dire que tu es enceinte jusqu'aux dents, ça fait pas mauvais genre. Allez, tu vas trouver un petit truc. Et bon, profession. Et Marc. Profession d'époux. Mais c'est pas écrit ça! Tu regardes dans le revers! Burlier, celui qui travaille dans le bureau! Ah oui, vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça passe dans un tabac, vous êtes complètement occupé, non? Ah, je vous pose assez courtoise, hein, ce sera uniquement par solidarité. Je suis moi-même, en ce moment au bout du rouleau. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites des acteurs partout! Ah non, mais Michel, tu fais vos films, ça t'en est pas! Mais. Il est mauvais! Mais qu'est-ce qu'elle dit, la mongolienne? Ouais, tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne? Aïe, aïe, aïe! Un triomphe, s'il vous plaît! Oh, merci pour votre générosité. Je vous laisse reprendre votre apparence normale. C'était énorme. C'était énorme. Michel Drucker, Ariel Dombasle, dans ce film occulte. En voyant Drucker en tableau, je suis au bord de l'érection, moi. Incroyable prestation de Michel Drucker et d'Ariel Dombasle, merci beaucoup. Incroyable. J'ai rêvé ou elle vous a tapé sur la tête pour de vrai? Ah, vraiment, plusieurs fois. C'est mieux que dans les tibias. Marianne, Christian, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Voilà. Exactement. Bon, vous auriez pu lui faire mal. Ariel a vraiment les dents qui rayent le parquet. Écoute, j'ai tapé assez fort avec le carton, mais c'est rien que le carton. Hein. Bon, parce qu'il y a un message de quelqu'un qui n'a pas eu le courage d'être ici sur ce plateau, mais qui voulait s'adresser à vous. Oui. Michel, je n'en peux plus de tes appels incessants, jour et nuit, pour le moindre bobo. Il faut bien que tu imagines que tu n'es pas mon seul patient. J'ai donc décidé de changer de numéro de téléphone, et celui-là, tu ne l'auras pas. Tu auras beau demander à tes amis, tu ne l'auras jamais. Ariel, vous avez compris qui c'était? J'ai compris. Le médecin de Michel. Voilà, que c'est le médecin de Michel. Un de mes médecins. Ça, c'est mon chirurgien. Il s'appelle Jean-Pierre Fraioli.
Je l'appelle beaucoup. Mais évidemment, tu sais, s'il ne s'est pas planté un clou... Je lui ai demandé de donner tous les portables de tous les médecins, de toutes sortes qu'il connaît à Paris. J'en ai moi-même profité plusieurs fois. Alors, on me dit qu'effectivement, autour de vous, on se moque de vous parce que vous avez une vraie liste de médecins, mais vous en faites un peu profiter quand même, les autres. Écoutez, je suis hypochondriaque, qui est une vraie maladie. Comme tous les hypochondriaques, je suis un malade imaginaire, je suis rarement malade, je ne me suis pratiquement fait jamais remplacer à la radio ou à la télévision. Mais j'ai ça. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de la déchéance, j'ai peur de mourir. Oui, il fait des analyses pratiquement toutes les semaines. Quand ce n'est pas des prises de sang, c'est des radios, c'est des scanners. Il va dans les pharmacies, il demande « Vous avez quelque chose de nouveau aujourd'hui ?» Et chez nous, il fait du plein de fioles. Il y a des fioles pleins autour de son lavabo. Alors, on ne sait pas si c'est une vanne ou si c'est vrai, mais on me dit que vous allez dans les pharmacies et vous dites « Vous avez quelque chose de nouveau aujourd'hui ?» Oui. Non. Non seulement je vais dans une demi-douzaine de pharmacies dans un rayon d'un kilomètre, mais j'habite devant une clinique et devant un laboratoire d'analyse. Et je me fais faire un bilan sanguin tous les deux mois depuis 25 ans. Et d'ailleurs, comme je savais, vous alliez me parler de ça, ce n'est pas tout à fait le hasard. Mais j'ai fait mon bilan hier. Tout va bien ? Tout va bien ? Vous allez voir. Ah, il a prévu le coup ! Non, parce que ça, tout le monde sait que je suis hypochondriaque de mon entourage. Regardez, quand il rentre à la maison, il est toujours content de m'annoncer ses bons résultats. HDL, cholestérol, 1,28. Ils disent, moi, je sais pas si c'est bien. J'ai un audimat sanguin impeccable. J'ai de très bonnes notes au laboratoire en face de chez vous. Incroyable ! Ouais, c'est tous vos examens, on me dit, hein. Est-ce que, Michel, ça vous dit quelque chose, ça ? Bon, ça, c'est une Ou alors, peut-être, est-ce que ça vous dit, Michel, quelque chose, ça ? Oui, à la maison, il y a c'est pratiquement un mètre de hauteur de radio et de scanner, de la tête aux pieds, qui s'est fait faire. Et ça, c'est mes poumons ? Non ! Ça, c'est ma colonne de... Mais sont mes IRM ? On m'a volé mes IRM ? Donc, Michel, il y a plein de radios. Oui. Chez vous, vous les avez, ces radios. Ce ne sont pas les vraies. Mais chez vous, vous avez ça de radio. Non, c'est surtout ma femme qui les classe. D'accord. Il me ment un psychiatre. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que je passe des examens tout le temps. Je suis un grand malade. OK. Ça, ça vous dit quelque chose ? Oh là là ! Mais qui a fait cette photo ? C'est mon coin, salle de bain. Bah, à quelques produits ? Il y a quelques produits. Mais ce n'est pas de l'EPO, mais j'ai beaucoup de produits. Comment sa femme appelle ses produits ? Une fonction. Votre femme, elle appelle ça comment ? Ses fioles. Les petites fioles. Il est un petit laboratoire ambulant. À lui tout seul. C'est moi l'amour. J'aurais aimé être pharmacien finalement. Médecin et pharmacien. Donc, on le sait, c'est pour ça. Se trouve que vous faites beaucoup de sport. Oui. Hein, cyclisme, etc. Et natation. Natation, beaucoup. Il fait beaucoup de sport pour garder sa forme. Il tient sa silhouette comme à la prunelle de ses yeux. Là, j'ai pas de casque. C'était pour la photo. Sinon, j'ai souvent un casque. Ouais. Et il m'arrive des anecdotes assez marrantes, d'ailleurs, que ce soit avec Prost ou quand je roulais avec Jean-Paul Belmondo. Avec un casque, on a une tête bizarre, donc on ne reconnaît pas bien avec un casque. Oui, il a essayé d'initier Johnny Hallyday au vélo. C'est bien pratique. Demandez-lui comment il s'y est pris et la réponse de Johnny. Pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre Johnny Hallyday de faire du vélo ? Bon, alors, Johnny, quand il est dans sa maison, je passe le dimanche matin, je lui ai laissé mon chien à l'époque et je fais du vélo et je lui laisse ma voiture. Je lui ai offert un vélo magnifique dans l'espoir qu'il vous rejoigne. Si tu regardes, Johnny, tu t'en souviens. Un vélo, bon. Et je suis venu un matin comme ça. Et Johnny m'a vu. J'essaie de vous imiter, Johnny. Il me dit, t'as l'air d'un burdon. D'un quoi ? Et je vais même te dire qu'elle a beaucoup d'humour. T'as l'air d'un burdon, mais on dirait les frères Jacques en burdon. Et il me dit, Et tu veux que je porte ça ? Tu me prends pour un con. Eh bien, Johnny n'a jamais voulu faire de vélo avec moi à cause de la tenue. C'est vrai que ça ne va pas avec tout. Mais ça évite d'aller à l'hôpital, le casque. Tu as l'air de Maya l'abeille, surtout. Oui, c'est vrai. Mais quand je suis comme ça, ma femme se fout de moi. Il est très, très fier de sa tenue. Et surtout, il s'arrête dans les cafés prendre son petit déjeuner, habillé comme ça, avec déjà le casque et les lunettes. J'adore être dans cette tenue-là. J'adore. C'est pas très saillant.
mais c'est bien pour le vélo. Vous dites que c'est pas saillant parce que vous pensez que c'est ce qu'on pense, mais vous, vous trouvez ça super. Vous allez boire des coups dans les cafés. Je trouve ça formidable. Regardez, c'est... Vous êtes fier de cette... Non, puis c'est bien parce que quand on a un personnage public, on vous reconnaît pas beaucoup. D'accord. Et c'est bien pratique. Alors, avec cette vie de sportif, il y a une vie saine. Vous n'êtes pas du genre à sortir jusqu'au bout de la nuit. Michel ne sort jamais. Et il lui faut toujours 8 heures de sommeil par nuit. Tout le temps. Je travaille à ma table de travail pour préparer les émissions d'Europe 1 Découverte. Tous les soirs, de 9h15 à 11h30, quoi qu'il arrive, je ne sors jamais. J'ai besoin de sommeil. 8 heures. Oui, absolument. J'aime bien me lever tôt, j'aime pas me coucher trop tard. Je fais tout en même temps, je travaille beaucoup. Et de temps en temps, je m'écroule en 30 secondes tellement je suis fatigué. Bon, être tranquille à la maison, enfin oui. Le contraire du fêtard. Ça vous dit quelque chose, ça, Michel? Mais quelle horreur. Tout le monde va se reconnaître. Mais qui dès qu'il rentre à la maison, c'est la première chose qu'il met avant tout, avant de manger, avant de me dire bonjour. Il monte se mettre en tenue d'apparat. On appelle ça ma tenue d'apparat. Quand j'arrive le soir, après mon dimanche, je m'habille comme ça. Et vous avez remarqué la finesse. Alors moi, j'ai remarqué surtout ce qui est au pied. Vous avez remarqué les élastiques en bas. Regardez bien. Je n'aime pas que ça remonte. Oui, il veut des élastiques, fait mettre des élastiques. Parce qu'il est content avec ça. Et il remonte ce truc-là jusqu'au-dessous de la poitrine. C'est que j'aime bien monter ça comme ça, je vous dis tout. Et monter très haut. À la Bourville. Voilà. Plus. Voilà. Alors ça, ça remonte comme ça. Et quand j'arrive comme ça, ma femme me dit, si t'es fan de Vivement Dimanche, te vois comme ça, tu n'as plus personne dimanche. Avec des tongs en été et des charentaises l'hiver. Et alors, ça, c'est un cadeau de Johnny Hallyday, ça. Non, chez moi, je m'habille vraiment en vieux. Bon. En tout cas, j'adore être en vieux, comme ça je m'y prépare. En petit pépère. C'est le côté hygiène de vie, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Et ça va avec l'hypocondrie, ça. Voilà, mais ça c'est la version officielle, ça, c'est votre version. Je vois que vos complices racontent la même version. Bon. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas venu sur ce plateau, est-ce que c'est une histoire de courage? Je ne sais pas, qui raconte une autre version de la vie de Michel. Je ne te cache pas que je suis franchement inquiet. Je trouve qu'il grossit en ce moment, Michel, parce qu'il ne fait plus d'exercice. T'as vu la bite qui est là, il est... Écoute, je crois qu'il ne fait plus du tout de sport. Oh là du là tout, là du là tout. Là il aime beaucoup manger. Mais oui, mais ça, tu sais que ça me fait culpabiliser, ça, parce que c'est moi qui lui ai donné... Il mange beaucoup, 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 beaucoup. Mais oui, l'autre jour, les andouillettes. Des andouillettes, l'autre jour, tu te rends compte. Tu vois, mais il faut le faire quand même. Je crois que c'est de ta faute, hein. Tu lui as fait découvrir. Voilà. Non, c'est pas ça. Il bouffe, mais il picole. Il s'est mis au blanc. Et t'as vu, en bas, notre stock de bouteilles à nous, à Cérillon et à moi, il a diminué de 12 bouteilles rien que dans la semaine. Et plus d'une bouteille par jour? Ou il les emporte chez lui. Non, il en emmène à Europe. Ah, voilà. Oui, non, mais à mon avis, moi, je suis très embêté avec ça, parce que je ne sais pas comment faire. J'ai pas envie de m'arrêter de picoler, mais je ne voudrais pas non plus que lui en profite maintenant, parce que tu te rends compte d'une responsabilité. Voilà. Faire de Michel Drucker un alcoolique, bah oui, c'est un peu moi qui... Remarque, bon, ça, il va faire du vélo pendant tout l'été, sûrement. Enfin, je ne sais pas s'il tiendra sur sa selle, hein, en fait, parce qu'avec le cul qu'il a pris... Il va faire renforcer la selle. Oui, avec le cul qu'il a pris, vraiment, c'est incroyable, hein, je te jure. Avant, il était pas mal pour un homme de son âge, comme ça, séduisant, sympathique, un très beau corps. Je le voyais quelquefois torse nu, mais là maintenant, il faut dire. Corps de jeune homme. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dany ne lui dit rien, parce que quand même, il doit être plus lourd qu'avant, non? Bah, peut-être que Dany aime bien les bourrelets. Ah, t'es pas con, toi. Ah oui, j'avais pas. Peut-être qu'elle a découvert les bourrelets. Peut-être qu'elle a découvert les bourrelets. Bon, bah, ça va aller, on va pouvoir y aller maintenant. Bon. Une autre version. Mais c'est Nelly Pierdet, notre maquilleuse, notre chère Nelly, et Jean-Pierre Coff. C'est vrai que depuis que Jean-Pierre travaille avec moi, il me tente souvent. Il m'a fait découvrir les bons vins, etc. Les bons vins. Mais rien à faire. Je culpabilise immédiatement. Je monte sur la bascule. Je fais du vélo le lendemain. Mon cher Jean-Pierre, je suis à 71 kilos tout rond. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Bon, nous, on s'est senti coupable également de vous avoir fâché avec l'un de vos médecins. Donc, on avait pensé à vous donner des contacts importants de gens compétents. Voilà. Donc, on a très, très envie de vous présenter un nouveau médecin, mesdames, messieurs. Guy Bedos. Oh. Oh là là. Ton médecin. Ah, docteur Bedos. Ton médecin m'a téléphoné. Oh là là.
il m'a demandé de le remplacer. Car lui-même... lui-même est parti à la retraite. Il n'en pouvait plus. Venez vous installer à côté de lui. Il a abandonné le métier. Et tu ne le sais pas, mais j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, j'ai fait psychiatrie aussi. Et on m'a demandé de m'occuper de toi, tout le temps. Oh là là, mais j'ai le cœur qui s'est accéléré. Ta femme m'a demandé. J'ai fait avoir une crise cardiaque. Tu m'embrasses pas ? Guy Bedos, on l'applaudit très fort. Mon grand frère. Ah oui. Installez-vous avec lui, installez-vous. Vous pouvez vous remettre en tenue normale. Regardez la tête de Michel, s'il vous plaît, devant la caméra. Vous venez, qu'est-ce qui se passe, Michel ? Faites ah ! Oh ! Touchez, touchez. Plus fort, plus fort. Mais vous savez pourquoi je suis troublé ? Parce que ? D'abord, c'est Guy. Et parce que je reconnais mon stéthoscope. Mais oui, c'est ton stéthoscope. Mais oui, il m'a piqué mon stéthoscope. À vous, perso. Et c'est mon stéthoscope. Vous avez c'est vrai que c'est pour les médecins, normalement. Oui, bien sûr. Alors, tu l'as fait tout seul. Oui. Tu n'as pas besoin de... Je remercie Ruth, cette chère Ruth, qui est un grand cardiologue de Montpellier, qui m'a offert son stéthoscope. Tu ne me l'as pas cassé, au moins. Ben, je sais pas. Tous. Mais moi, je tousse pour de vrai. Je vous laisse enlever la... On a fait... Je vous laisse enlever la veste. Merci, Guy. Mais là... Ça, c'est pas toi aussi. Et ils m'ont piqué mon appareil attention que j'ai eu pour Noël. C'est à vous aussi. Je l'ai eu pour Noël, pour mon appareil vrai. Attention. Attention, mon appareil attention. 12-8 tous les soirs. Oh, 12-8, c'est bien ça. C'est bien. Alors, dis-moi, Michel, explique-moi, parce que moi, j'ai jamais compris l'attention. Guy, t'attendais pas que je prenne l'attention d'Ariel ? Oui, bien sûr. Ah, bah, vous avez le problème, c'est que quand je prends l'attention d'Ariel, c'est la mienne qui va monter. Mais tu sais que j'ai jamais compris comment on calcule. Moi non plus. Ça, je suis pas assez spécialisé pour te dire ça. Vous connaissez les bons chiffres. Oui, mais je connais les bons chiffres. Voilà. Attends, il faudrait que tu te remontes un tout petit peu. À la manche. Alors, très bien. C'est quoi les bons d'habitude, chiffres. Tu as combien de tension? J'ai une petite tension, comme les sportifs. Comme oui. Les grands sportifs, on dit ça. Ils m'ont détraqué mon appareil à tension. Non, ça monte doucement. Attends, je vais mettre encore une petite couche. Il a toujours rêvé d'être docteur comme son papa. Regardez, mais il est en train de prendre la tension. Je m'occupe beaucoup de la santé de Guy. Tu sais, là, il refait une scène d'enfance. Écoute, hein, là, papa, là, je vois 12-8. Pas mal. Moi, je sais pas si c'est bien. Très bon. Docteur Drucker, alors, c'est bien ou pas maintenant. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, je vais quand même pas me priver, c'est pas possible. Bon. C'est là, tu crois? Ah non, le cœur est à gauche. Michel, le rêve. Femme te regarde. Ma profession. Elle me regarde à la télé. Alors moi mon grand plaisir, c'est quand Guy m'appelle et que je peux lui envoyer chez notre ami docteur Dussert. Mais oui. Mais vous êtes hypochondriaque comme Michel? Moins que moi. Moins? Non, mais c'est. Non, moi je m'occupe de ma santé quand je suis malade. D'accord. Quand on me le dit, parce que j'ai beaucoup de médecins malgré moi. Oui. Et donc bon, mais. Un peu rapide, je trouve. Le coup. Mais ça, c'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Alors on parle de l'émotion, parce qu'effectivement, en préparant l'émission, je me demandais quel était le lien entre vous deux. Oh. Parce que je l'ai vu à travers le petit écran, bien sûr. Des fous rires mémorables sur des plateaux de télé, c'était avec Michel à chaque fois. Parce qu'il est très client, on peut dire. On est des vieux combattants d'une certaine télévision, tous les deux. Des rescapés. On faisait de la télé en direct à l'époque, et effectivement, je me permettais, il adorait ça hein, en même temps, de lui poser des questions. Par exemple, vous avez connu Madonna. C'est pas très distingué, hein, moi. Il m'arrive de. Il revenait d'Amérique, et je lui dis tu l'as niqué, Madonna, en direct. L'autre, il a failli. En direct à la télé, vous en profitiez c'est un tout petit fait. Peu. Mais Guy, c'était vraiment. C'est des souvenirs formidables avec Guy. Mais à chaque fois, c'était borderline, parce que Guy, il a été un peu blacklisté à une époque. Ah bah oui. Il avait quelle attitude, Michel, pendant cette période? Moi, j'ai connu une espèce de McCarthyisme larvé à une époque, pour tout dire, sous Giscard. Et mais c'était pas la faute de Giscard, c'était la faute de tous ces journalistes et de tous ces gens de télé qui faisaient du zèle, qui ont appris le métier de journaliste à l'école hôtelière. Ils posent des questions, comment on passe des plats, n'est-ce pas? Et donc quelle formule. Pas vous, Frédéric, mais enfin. Allez-y. Et donc Drucker, non, j'ai jamais su pour qui il votait. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait tout à fait les mêmes tendances politiques, ni même sexuelles. Disons qu'on a la même sensibilité quand même. Oui, tranquillement, une sorte de père tranquille de la résistance médiatique, il m'a invité en direct, etc. J'ai quand même entendu à l'époque à la télé. Moi, je t'adore, tu me fais rire et tout ça, mais tu comprends, j'ai une femme et des enfants, je peux pas te recevoir.
Je dis, ah, ça, alors, non. Mais il y a une chose qu'il faut dire sur Guy. C'est que Guy s'est toujours battu pour que ses copains, qui ne votaient pas de la même façon que lui, soient libres également. Il a défendu le Luron. Le Luron, il y a le fort. Et je crois qu'ils n'avaient pas la même sensibilité politique. Mais il disait, je me souviens que, on va citer un ministre de la Culture qui disait, dites à vos copains Drucker d'arrêter de prendre le Luron. J'avais dit à l'époque, vous touchez un cheveu de Drucker et vous allez m'avoir dans la gueule. Mais ce qui est formidable, c'est pour ça, on dit toujours Michel, que la France entière adore. Et pourquoi de 1 à 77 ans? Parce qu'il a toujours eu la liberté d'imposer qui il voulait. Et c'est vrai qu'on se souvient tous de morceaux de bravoure géniaux. Avec Guy, bien sûr, en direct, avec Gainsbourg, avec toutes sortes de moments où justement ça dérape avec des et où proches, c'est formidable, avec des proches aussi. Et où il y a la vérité qui est et là. Coluche. Voilà, et vraiment quelqu'un comme toi, tu es comme Tintin. Les gens n'en finissent jamais de t'aimer. Eh bien, tous les patrons de l'époque, je dois leur rendre hommage, m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé bénéficier d'une très grande liberté. Ça continue aujourd'hui, évidemment. Mais je me souviens, quand tu as reçu Carla Bruni, tu avais mis ta Légion d'honneur, connard. Oui, pour faire... C'était pour faire... Et la Légion d'honneur que notre ami Mitterrand, ton ami, m'avait remis. Et que moi, j'ai refusé oui, à Mitterrand, absolument. D'ailleurs. Et je l'avais fait pour faire plaisir à mes parents. Ah, ben alors... Qui ne sont plus là. Et j'aurais voulu que ma mère voie ça, elle aurait été fière. Quand. Alors, je ne veux pas oublier que, d'abord, Guy Bedos est assis dans le fauteuil. C'est un joli présage. Moi, j'aimerais bien vous voir dans ce fauteuil un de ces jours, à la c'est rentrée. C'est très drôle, la vie. Mais oui, mais attends, mais je suis là, vous regardez depuis des heures. Non, mais là, à cette place-là. Oui, là, mais oui. Et parce que vous pourrez aller le voir au théâtre à partir du 20 octobre, dans une pièce de Nicolas Bedos. Son fils. Avec Macha Merrill. Il a beaucoup de talent. Et donc, effectivement, il a beaucoup de talent, il l'a déjà prouvé. Et donc, c'est au théâtre de la Madeleine à partir du 20 octobre, Macha Merrill et Guy Bedos. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci pour la grande part. Guy Bedos. Merci. Je dois dire que je suis émue là aujourd'hui d'être avec Michel parce que vous savez, on se dit que la France, il y a trois académies. Il y a l'Académie française, il y a récemment la Star Academy, mais il y a la Grande Académie qui est incarnée par un seul homme, Michel Drucker. Michel, il a révélé tellement d'acteurs et ça avec tellement d'amour et de préscience. Et je dois dire que moi, la première fois que j'ai chanté sur un plateau, avant de faire des disques et tout ça, j'étais jeune étudiante en chant, c'est sur les plateaux de Michel Drucker. Le principal défaut et la plus belle qualité de Michel, c'est d'être toujours gentil. Alors est-ce qu'il y a une fois où cette gentillesse, il l'a perdue? Et est-ce qu'il s'en souvient et avec qui? On dit c'est pas possible que Michel soit gentil tout le temps. Oui. Il y a des gens qui vous ont agacé, forcément. Oui. Forcément dans ce métier. Mais j'ai du mal, moi. J'aime bien l'insolence, j'aime bien la dérision, l'autodérision. Oui, demandez-lui ce qu'il pense des gens du showbiz. Parce qu'il est très, très lucide. En revanche, j'ai souvent engagé dans mes émissions des gens qui faisaient très bien. Qui faisaient rire. On me dit que vous avez fini par être lucide sur le show business, mais il vous a fallu quelques années. Oui. Oui, mais c'est normal, on n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. C'est-à-dire cette lucidité, c'est quoi? Il y a des artistes, je suis sûr que Ariel et vous aussi, vous êtes d'accord avec ça. Il y a des grands artistes qui sont des stars ou des vedettes. Des vedettes, parce que les stars, c'est autre chose. Qu'on aurait préféré ne pas connaître parce qu'on a été déçu humainement. Ça m'est arrivé, mais tout le monde vit ça tous les jours. Ça n'enlève rien à leur talent. Il y a des gens que j'aurais préféré ne pas connaître parce qu'ils m'ont déçu, parce qu'ils n'étaient pas très gentils avec les petits. Quand je dis avec les petits, moi, le baromètre, c'est simple. Les artistes qui se conduisent mal avec les gens qui sont derrière, comme s'ils étaient secondaires, j'entends souvent des choses qu'on me répète, ou maquillage, ça, pour moi, c'est le juge de paix. Quand un caméraman, un cadreur, ça fait 45 ans que je suis là, me dit, celui-là ou celle-là, je lui fais confiance. Bon. Nous, on a deux auteurs qui sont hors caméra. Évidemment, c'est plus facile hors caméra. Qui ont écrit des choses sur des gens du show business. Pour que je sois méchant. Voilà. Ah. C'est Jonathan Kissler et Arnaud Crampon. Je dis leur nom parce qu'évidemment, être anonyme, c'est plus facile. Ouais. Et donc, Michel Drucker, si vous pouviez dire... on va voir leurs photos et dire ce que... Comme si c'était vous qui en pensez quelque chose. Ah, Alain, voilà une star qui n'a pas pris la grosse tête. Non, je déconne, suivant. Alain, je t'embrasse. Il peut pas s'empêcher. Allez, Nicolas Canteloup, c'est pas lui qui fait les voix. En fait, il fait du playback, c'est Laurent Gérard qui fait toutes les voix. Et Canteloup, il bouge juste les lèvres. D'ailleurs, entre nous, on l'appelle Tataillé.
Non, non, je vous jure, il est vraiment lourd. Hein. Il est vraiment lourd. Si l'émission s'appelle Vivement Dimanche, c'est à cause de lui. Comme on enregistre en semaine, tout le monde se dit Vivement Dimanche, c'est le jour où on ne le voit pas. On me dit qu'on a une réponse de Nicolas Canteloup. Ah, vous savez ce que vous alliez dire. Allons-y. Ah bon? Bon. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En même temps, je vais vous faire une confidence, hein, je suis à moitié surpris par ce que dit Michel, parce que on connaît le grand public connaît le Michel Drucker gentil, sympa, machin, truc, mais tout ça, c'est de la façade. Hein. Il y a qu'à voir sous le côté les animaux, là, le côté SPA, les chiens, les chats, mais c'est du violon, tout ça, c'est de la vitrine. Parce que moi, il me l'a confié, alors les gens ne le savent pas, je ne sais pas si bon, enfin, puisqu'on en est là, on dit les choses, parce qu'il faut que les choses soient dites à un moment donné. Quand on a 60 ans de carrière, il faut un moment de faire tomber le masque, 70 ans. Chaque été, Michel, il part, il faut que les gens le sachent, il part en voiture, début des vacances, il s'arrête sur une aire d'autoroute, et chaque année, c'est un rituel chez lui, il ne peut pas s'en empêcher, il me l'a confié, il en était même peiné, hein. Mais chaque année, il abandonne un chroniqueur sur le bord de la route. Et voilà, alors voilà comment... Voilà, les Bruno Mazur, les Pierre Bénichoux, Gérard Miller, il est resté 4 jours attaché à un platane. C'est uniquement parce qu'il a réussi à ronger sa laisse qu'il a eu la vie sauve. Hein. Et que Laurent Ruquier a pu l'adopter et qu'il s'est réfugié chez lui. Mais, donc moi, je m'adresse à Jean-Pierre Coff, à Faustine Bollard, à Claude Sirion, que j'aime beaucoup. Voilà, si jamais en début d'été prochain, là, qui arrive, là, il leur propose un tour en voiture, Michel, vous savez à quoi vous en tenir. Hein. Mais à un moment donné, il faut que les choses se disent. Et moi je regrette qu'on en arrive là, mais bon. En réalité, j'ai beaucoup de mal, mais je suppose que Laurent Ruquier vous dira la même chose. C'est difficile de se séparer d'un chroniqueur, parce que de temps en temps, il faut que ça tourne. Au bout de quelques années, évidemment, les gens ont tendance à se lasser, mais j'ai beaucoup de mal. Je ne serai jamais patron, vraiment, à cause de ça. Bon. Je serai incapable de virer les gens. J'ai beaucoup de mal à me séparer des gens. Un petit mot sur Gad Elmaleh. Alors, Gad, alors, qu'est-ce que vous me faites dire comme horreur sur Gad? Dans votre bouche, c'est que ça prend toujours Gad. Une autre saveur. Ça, c'est un type drôle. Et sur scène, c'est tout. Hein. Parce que dans la vie, t'es un boulet. Je ne dirai pas ce qu'il y a derrière. Il n'arrive pas. Il est aussi marrant qu'une porte de prison, Gad. Je suis crédible, hein? Non, ça ne lui va pas. En tout cas, lui, il vous croit, regardez. Bonsoir Fred, bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Je suis un peu déstabilisé par le témoignage de Michel Drucker. Voilà, je m'apprêtais à chanter les louanges de l'homme de télé depuis le XVIIe siècle. Mais je suis déçu, je suis complètement atterré, voire même désintégré par tous ces commentaires. Et ça me donne une envie que d'une chose, Michel, c'est d'avouer, de balancer devant toute la France qui nous regarde la véritable personnalité que tu es. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de formidable, c'est magnifique, incroyable. Personne ne sait le mec que t'es. Quand t'es déchiré en boîte et que tu dis à des gars, viens, viens, allez, viens, Drucker, pas Drucker, je vais te mettre un coup de boule. Personne n'en a jamais parlé. Quand t'es avec les Hells Angels, partout, les skinheads là. Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle des soirées déguisées? T'es en cow-boy et tu dis rien à foutre, vivement dimanche. Tu veux que je parle de ça? Moi j'en parle pas. J'en ai jamais parlé, Michel. Et ça c'est ton vrai visage, ok? Les restos que t'as jamais payés, les pays dans lesquels t'as été où t'as jamais voulu rien savoir pour signer un autographe. Formidable, magnifique. Eh ben il est beau le formidable, magnifique. Je sais pas ce qui se passe, mais malgré tout ça, je t'aime, Michel. Ah, mon petit Gad. Même lui, il n'y arrive pas, vous voyez. Oh, mais Gad. Gad, j'ai un souvenir vraiment formidable avec Gad. Il débutait, c'était au Petit Palais des Glaces. On était quoi, 50 dans la salle, 100. Je vais le voir. Il me dit, vous êtes venu me voir, il me vous voyez. Il me dit, je peux appeler ma mère à Casablanca. Alors, il appelle sa mère devant moi, il dit, maman, tu sais qui est là, Michel Drucker? Et j'entends sa mère qui dit, me fais pas une fausse joie, tu crois qu'il a du temps à perdre? Je te dis que c'est lui. Et il me passe sa maman qui ne me croyait pas. On reparle toujours de ce coup de téléphone avec sa maman. Lui, c'est un immense artiste. Immense artiste. Et c'est vrai que je ne suis pas allé souvent en boîte avec lui, ni avec personne. Je suis un handicapé des boîtes, parce que mon père me disait, ne va jamais en boîte. On attrape froid, tu vas attraper une pneumonie. Donc je suis allé une fois avec Serge Gainsbourg. Gainsbourg dit, merde, tu vas pas mourir sans venir en boîte. Lui avec Claude François. Je vais chez Régine, c'était dans une autre vie.
J'arrive chez Régine, tout le monde dansait, tout ça. Je suis avec Gainsbourg. Et j'étais comme ça. Et il y avait Claude François d'un côté, Clo-Clo. Et Zian, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et j'ai dit, mon père m'a dit, j'aurais attrapé une pneumonie. Et j'ai regardé ma montre. Et à un moment donné, il me voit faire ça. Il me faut 8 heures de sommeil. Il faut que je rentre. Il a fait toutes les pires boîtes gays de province avec Thierry Leluron. Voilà. Mais moi, vous savez, j'ai été démodé très tôt, moi. Et il a beaucoup aimé ça. C'est ça qui est joli. Avec Thierry Leluron, vous êtes allé quelques fois quand même, il vous a traîné. Oh là là, je peux pas. Thierry m'a emmené 2 ou 3 fois dans des boîtes quand on faisait la tournée, sa dernière tournée malheureusement. Et il me dit, une fois par semaine, tu sors avec nous en boîte, tu vas pas te coucher à minuit au mois de juillet alors que la France est en vacances parce que tu es fatigué. Oui, mais j'ai natation demain matin. Bon, très bien. Et il m'a amené en boîte 2 ou 3 fois. Je me suis trouvé en blouson de cuir, en moto avec Thierry, au fin fond du vin des Costières, au fin fond de la Bretagne, dans des endroits surréalistes, mais surréalistes. Et j'étais comme ça. Et Thierry me se marrait. Et c'était à la fois... C'était félinien. Et donc ce cadigat, des coups de boule, t'en as donné. Mais bon, je ne sais pas si... J'accepterais d'aller en boîte danser peut-être cet été sur le tube d'Ariel. Je viendrai uniquement pour danser sur ce tube et je repars. Alors, c'est vrai que l'un et l'autre, le public se demande toujours si vous correspondez à cette image qu'on a de vous, que le public adore. Depuis tout à l'heure, on vous demande de faire des trucs un peu... Voilà, le Père Noël est une ordure, etc. Vous avez souvent voulu donner une image comme ça de naïve. On sait évidemment maintenant que vous n'êtes pas tant que ça. De quelqu'un qui a envie en tout cas de vivre dans un monde de rêve. Mm-hmm. Vous avez créé l'univers dans lequel vous habitez, dans lequel vous vivez. C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai, parce que je l'ai lu et moi j'y crois pas, que vous êtes tombée amoureuse de votre mari sur une photo en passant devant une librairie. C'est vrai. Parce que ça, il y a des millions de jeunes filles. Vous êtes responsable de ça, de faire rêver les gens comme ça après. mais je crois que ça arrive très souvent, parce que c'est les ados punaisent des visages qui les exaltent, qui les font rêver. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu la couverture de La Barbarie à visage humain, j'ai vu ce visage et je me suis dit, comme une évidence, c'est lui, c'est l'homme de ma vie. J'ai eu une attirance foudroyante. Et je me suis dit, je suis la seule personne qui peut le sauver. Parce que vous lisez dans son regard, vous trouvez de la tristesse à ce moment-là. Oui, je trouve qu'il a comme un peu de cendre et d'inquiétude dans son regard. Et je pense que c'est parce qu'il m'attend. Et je sais que c'est moi qu'il va aimer. Mais je crois que c'est toujours un peu ça, l'amour. Les gens se reconnaissent et... se reconnaissent dans un clin d'œil comme ça. Bon, moi, c'est vrai, ça s'est passé... Plusieurs fois, rendez-vous ratés au départ. Oui, voilà. Lorsque elle a fait dédicacer son livre par Bernard Henry, il lui a écrit en attendant. Si ce qu'on me dit est vrai, c'est énormissime. La première fois, vous ne vous connaissez pas, il vous dédicace un livre... En général, on écrit toujours la même chose sur les dédicaces. Qu'est-ce qu'il écrit ? Dragueur, ce Bernard Henry. Oui, c'est que je viens au Pen Club, où donc les écrivains signent leurs livres. Ça est arrivé de faire ça. Et donc, il y avait autour de Bernard Henry toute une meute de gens, etc. Et puis, moi, j'arrive, je vais tout droit, comme ça. Voilà, directement. Et puis, je me penche sur la table. Et lui était en train de dédicacer, donc il en dédicaçait beaucoup. Hein. Et puis, il me regarde comme ça. Et je l'invite, je jouais au théâtre déjà. Il n'écoute même pas ce que je dis. Il n'est jamais venu. Je jouais la petite Catherine de Hellebron à Nanterre. Et puis, j'essaye de faire l'intéressante. Je prends des pauses et tout. J'essaye d'attirer son attention. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, il m'a à peine regardé, mais il a écrit pour Ariel en attendant et des points de suspension. Incroyable, avec le recul, incroyable cette histoire. En attendant, c'est merveilleux parce que ça me laissait tout espérer et chez moi, ça a enflammé la passion en attendant. Un jour. La suite. Et le jour est venu. Est-ce que c'est vrai aussi que vous acceptez de faire une publicité pour les robes de mariée avec une arrière-pensée en fait? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Jean-Paul Gaultier avait dessiné
une robe de mariée. Et moi, j'ai décidé de faire la publicité et j'ai écrit les paroles « Je te salue, Marie, toi, l'homme de ma vie ». Voilà, j'ai fait un jeu de mots. En pensant que ça pouvait provoquer un déclic. Voilà, et qu'il serait jaloux de me voir avec quelqu'un d'autre que lui, parce que j'étais fatalement sa promise. Et à chaque fois qu'elle pouvait se balader avec un livre de Bernard-Henri Lévy quand elle était filmée, elle le faisait. On me dit qu'à chaque fois que pendant cette période, où tout ça n'est pas consommé, c'est dans votre tête, ouais. Chaque fois qu'il y a des documents de l'époque, quand on vous voit être interviewé, etc., vous avez toujours un livre dans la main. C'est un livre de Bernard-Henri Lévy, c'est vrai. Mais c'est vrai que je mets les livres de Bernard-Henri dans les fictions que je tourne. Je fais comme si je lisais un livre au hasard, et c'est comme par hasard, toujours un livre de Bernard-Henri. Je l'ai fait dans Pauline à la plage, d'ailleurs. Bon. Et quelques années plus tard, ils se sont retrouvés à Milan. On me donne le dénouement de l'histoire. Ça s'est passé à Milan. En attendant Milan. C'est ça. Non. C'est énorme. C'était... Je me demande qui est en train de raconter toutes ces choses très intimes. Mais oui, je chantais du Mozart, je jouais Mercy Chant et je chantais à la Scala de Milan pour un film sur la vie de Mozart. Et puis, je vois tout à coup deux personnes qui arrivent et moi, je marchais comme ça. Et puis, je traverse la rue, ils traversent la rue, je retraverse, ils retraversent. Et puis, tout à coup, on est face à face. Et c'est Bernard-Henri et... Et voilà, et je lui dis, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Et puis voilà, après, on ne se quitte plus. Magnifique, magnifique histoire. Voilà. Mais je suis fasciné par ça. On est quand même 6 milliards et demi sur la Terre, il y a des êtres comme ça. Oui. Est-ce que c'est vrai quand vous rencontrez votre épouse? Un point commun avec Ariel, encore un. C'est quoi la phrase? Ben voilà, j'ai su que c'était elle pratiquement tout de suite. Merci Claude François. C'est lui qui me l'a présenté dans une émission qui s'appelait En plus avec le cœur. Il y a une panne de lumière, on était derrière un décor, et voilà, et je lui ai dit comme ça, très vite, vous êtes la femme de ma vie. Il m'a dit, il faut vous remettre. Je l'ai raccompagnée chez elle, elle n'était pas libre, évidemment. Et puis le lendemain, j'ai appelé en bas, alors qu'elle vivait avec quelqu'un de fort séduisant, plus séduisant que moi. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai pensé à vous tout le temps. Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous m'appelez chez moi et les téléphones communiquent de pièce en pièce. Imaginez que son... Elle me dit, voilà, j'aimerais bien prendre le thé. Moi qui ne bois jamais de thé. Et voilà. Et c'était il y a 37 ans. Mais quand vous dites... Et je ne me suis pas trompé. Mais non, c'est ça qui est fou. Quand vous dites, vous êtes la femme de ma vie, ça pourrait être une formule de dragueur. Non. À ce moment-là, vous y croyez? Intuition. Incroyable. On avait 29 ans tous les deux. Elle avait arrêté son métier, elle ne me connaissait pas. J'étais reporter sportif, elle s'intéressait pas au sport et ça n'a pas changé depuis d'ailleurs. Et elle confond toujours le ballon de rugby et le ballon de foot. Et donc, elle ne me connaissait pas. Mais je l'avais aperçue dans un palmarès des chansons, elle n'était pas loin. Et elle m'a dit plus tard qu'elle s'était retournée, qu'elle avait remarqué quand même le visage. Mais voilà, c'est le mystérieux. Hein. C'est vrai que c'est difficile, encore une fois, de tout raconter de votre histoire. Donc, actrice, on l'a dit, tous les genres, réalisatrice, et puis chanteuse. C'est pas comme ces actrices qui font ça comme ça, comme un hobby. C'est-à-dire que vous, c'était vraiment un truc dans les tripes depuis toujours. Oui. Avec des succès, honnêtement, que je n'avais pas réalisé avant de préparer l'émission. Oui. C'est-à-dire que... Non, mais je n'avais pas réalisé. Mais ces albums ont tous eu beaucoup de succès. Oui. Alors, beaucoup de succès. 200 000 exemplaires. Énorme Amor, succès. Amor, 800 000 exemplaires. Oui, il y a eu Liberta aussi avant. Hein. Liberta également avant, qui est disque d'or. Et il y a eu celui que j'ai produit. Et alors, comme j'ai commencé avec le classique, les gens me disaient, mais écoute, ça n'intéressera personne. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à imposer du Handel et du Bach, d'une chantée. Et surtout, c'est grâce avec à moi. Des orchestrations déjà un peu électro. Ouais. Et finalement, les gens ont aimé ça beaucoup. Qui était le réalisateur de votre premier clip? Il faut dire que mélanger Bach et la techno, c'est pas du tout mais évident. Mais c'est moi qui lui ai fait faire. C'est moi qui lui ai fait faire. C'est moi qui ai eu envie un jour de la faire chanter. Bravo, Emmanuel. J'ai produit son premier disque. De mon premier clip. Mais ça dépend quel clip. Je pense à Éric Rohmer. Ah, bien sûr. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu beaucoup de mal. Vous savez, tout a l'air comme ça. Donc, on rappelle aux téléspectateurs que c'est un cinéaste qui fait des films pointus, d'auteur. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, quand j'ai voulu faire mon premier disque, personne ne voulait le produire. Parce que c'est évident aujourd'hui. À ce moment-là, non. C'était audacieux. Et je jouais du Henry James chez Renaud Barrault. Et je voulais chanter. Je chantais tous les soirs du Strauss. Et puis un soir, donc j'étais sa première productrice, une petite jeune fille comme ça qui avait l'air d'une enfant,
qui est venue me dire qu'elle m'admirait beaucoup et voilà. Et j'ai eu envie de la produire. Bon, je me suis dit une petite femme et aucun ça. Argent. Et ce qui est inouï, c'est que cette petite créature était en fait une chanteuse très connue, mais que je ne connaissais pas. Et quelqu'un de très raffiné. Je profitais du pouvoir que j'avais dans ma production pour produire Ariel. Et qui m'a dit, mais écoutez, moi, je vais vous produire. Et elle travaillait dans des grands studios à l'époque. On peut le dire, à l'époque, c'était AB Productions. AB Productions. Donc la musique classique et AB Productions, on sait que et c'est un grand écart. Et je terrorisais tous les gens pour produire ce disque. Et elle s'appelle Emmanuelle. Et ce qu'elle a fait d'extraordinaire, c'est qu'en catimini, elle a réussi à me produire et à produire le clip d'Éric Rohmer. Et je voulais qu'on raconte ça. Donc, ce clip d'Éric Rohmer, on en regarde un extrait. Ce clip a 16 ans, 18 ans. Ouais. Ouais. Vous allez chercher des gens dans la rue vous-même pour qu'ils figurent dans le clip. Oui, et on les payait, on leur donnait cash de l'argent. On cherchait les figurants dans la rue. Et qui vous donnaient des billets. Voilà, des billets en direct. Et puis la chorégraphie avec quelqu'un qui faisait comme ça par derrière. Tout le monde était très content. Et tout ça a été fait comme ça avec... Bon. Et puis vous avez réalisé cet exploit, c'est d'amener effectivement la musique classique, la musique lyrique auprès du grand public. Ouais. Je sais qu'il y a des puristes que ça dérange. Ouais. Mais moi j'adore... cette générosité-là. Ouais. Est-ce que... je ne sais pas comment vous annoncez ça. C'est une curiosité personnelle. Ouais. Parce que j'adore la tête. Oui, oui. Mais on a très peur ici, non, n'est-ce pas? Non, oui, mais oui. C'est que bienveillant. Bon. Juste pour le plaisir, vous avez fait découvrir au public des auteurs extrêmement classiques. Ouais. Est-ce que vous pourriez, pour nous, faire découvrir aux puristes, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent, des gens qui n'aiment que la musique lyrique, quelque chose de plutôt populaire, comme ça, par exemple? C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Remercie le public qui a joué le jeu. Alors, Ariel, 1980, Jean-Jacques Lionel, la danse des canards. Tout le monde connaît cette chanson, vous la connaissiez aussi? Mais justement, je ne la connais pas. Bon, vous savez pourquoi c'est pas grave? Ouais, mais ça on fait bien, je vais... Mais bien sûr, parce qu'on a prévu une musique lyrique. D'accord. Pour vous, la même chose, hein, mais version lyrique. Les paroles qui vont défiler là. D'accord. Mais alors, le public m'aide. Bien sûr. Et Michel aussi. Bien sûr, version... Nous, Michel. Vous aider... Non, d'accord. Nous, on va vous aider pour les chœurs qui disent « qui font coin-coin », version opéra. Qui font moi, je fais juste ça, la d'accord. chorégraphie. D'accord. Dites-lui de ne pas le faire. Juste pour, ouais. Juste pour entendre. Juste pour entendre, pour que vous soyez repérés. Oh, écoutez bien, vous allez la reconnaître. Derrière, il y a quelque chose qui vous dit les notes, vous allez voir. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin. Fait comme les petits canards et pour que tout le monde se marre. Remuez le popotin et faisant coin coin. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coins coins. Allez, mettez-en un coup. Maintenant, pliez les genoux coin coin. C'était une super bonne idée. C'est ça! Formidable! Il y a des gens qui apprécient l'idée. Enfin une bonne version. Enfin une bonne version, cette chanson. Vous avez ce talent-là, c'est donner des lettres de noblesse à des chansons qui ont été méprisées par certains. Après avoir fait ZZ du Père Noël est une ordure. Exactement. Et est-ce qu'on peut l'applaudir parce que c'est vraiment extrêmement généreux de faire ça pour nous, vraiment. On va reparler de ce que vous faites aujourd'hui. Mais auparavant, je voulais parler de Michel. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme un chef de clan? Ouais, je suis un peu le chef de famille. J'ai une famille que j'adore. Et on a resserré encore les liens depuis la disparition de mon frère Jean.
Et c'est vrai, quand on perd ses parents, on s'y attend. Quand on perd un frère aîné si jeune, adoré, qui nous manque tellement, on passe au cran supérieur, on devient le chef de famille. Donc je suis un peu le chef de clan. J'ai une grande fille, j'ai une petite fille, j'ai une femme que j'adore et sans laquelle j'aurais sans doute pas fait ce parcours. Je voudrais le dire ce soir, parce qu'on oublie les femmes. Et dans des carrières aussi longues que les nôtres, on ne fait pas ça tout seul. Impossible. Mais c'est vrai, puis il y a Marie, que j'adore, Marie Drucker, qui est très douée, qui est peut-être la plus douée du clan. Il y a Léa, là, au-dessus de moi à droite, qui est une excellente comédienne, qui va faire de plus en plus parler d'elle, qui est la fille de mon frère le médecin. Il y a Stéphanie, ma fille. Il y a Dani, qui était heureuse d'être là. Il y a ma petite fille, Rebecca. Il y a Marie. Et puis, il y a ma petite Hélène, la petite cambodgienne, qui a passé quelques années chez nous, dans une époque troublée après Pulau Bidong et le drame du Cambodge. Elle fait partie de la famille. Et puis voilà, et puis je pense à mon frère Jacques qui est aux États-Unis, à l'ambassade de France, qui a deux filles, qui sont mièses, qui sont vraiment épatantes. Non, nous sommes une famille très serrée, très unie, et voilà, indestructible. Il ne faut pas attaquer le clan. Il y a un membre du clan qui voulait vous faire une proposition même. Bien sûr. Bonsoir Michel, enfin mon tonton Michou à moi, ou Mimi. J'ai tenu à prendre la parole ce soir, à t'adresser un message devant la France entière. Je pense qu'il y a à peu près, je sais pas, peut-être 60 millions de personnes qui te regardent ce soir. Je sais que tu traverses une période difficile, une traversée du désert, comme on dit, que tu rames énormément, que tu essayes de travailler en télévision, en radio, que je sais que les temps sont difficiles. Et je voulais t'assurer de mon soutien, te dire que si tu as besoin à n'importe quel moment d'un stage, que je te donne un contact, évidemment, je suis là. Tu sais que tu peux compter sur la famille. Et tout ça pour te dire ce soir, merci mille fois pour ton soutien toujours, pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu m'apprends encore. Je t'aime. Elle. Une star, déjà. Mais tu sais, Michel, vous devriez faire quelque chose ensemble. Eh bien, c'est l'enchaînement. Je viens de faire quelque chose avec elle. Non. Il va être bientôt sur France 2. Une émission qui a été enregistrée depuis l'Institut du Monde Arabe. Il va passer à la fin du mois de juin. Ah bon ? Il s'appelle Voyage en Méditerranée, ouais. Où il y avait tous ceux qui sont des enfants de la Méditerranée. Ouais, ouais, ouais. Claudia Cardinal, Gad Elmaleh, voilà, etc. Tahar Ben Jelloul, Gad Elmaleh, Boujna. Il y avait également Enrico Macias. Et c'est la première fois qu'on présentait ensemble. Et j'étais ému à un point. Cette petite Marie que je n'ai pas vue grandir, qui était à côté de moi, tout le monde la voyait arriver. Marie Drucker, bonjour Marie Drucker. Pour moi, c'est Mariouche, elle, c'est Michou. Je suis son tonton dans les coulisses de Champs-Élysées. Je la voyais venir demander un autographe à Patrick Bruel avec sa cousine Léa. Elles avaient quoi, 6-7 ans. Et voilà, c'est une fille exceptionnelle. Moi, je suis... Rien. Elle fait des choses, elle, à son âge, que j'étais incapable de faire. La télévision assise, debout, les victoires de la musique classique. Elle est d'une grande modestie. Ouais. Ça, je crois, c'est le signe de la famille. On ne la ramène pas chez nous. Et son père a été tellement heureux de nous voir ensemble. Voilà. Si vous voulez regarder l'émission à la fin du mois de juin, Voyage en Méditerranée, sur France 2, il y a quelque chose de magique parce que je me suis retrouvé à côté d'une petite fille que je n'ai pas vue grandir. Et j'aimais tellement son père. En tout cas, vous en parlez bien. Aujourd'hui, Michel, vous avez beaucoup parlé dans ce livre qui, je le rappelle, vient de sortir en poche, de cette anxiété, parce que vous avez parlé d'un premier ulcère très très jeune. Ça, c'est l'Europe centrale, ça. Bon, mais je voudrais savoir si aujourd'hui, après tout ce que vous avez accompli, après cette reconnaissance du public, des professionnels, est-ce que vous vous sentez un peu plus apaisé quand même? Non, parce que l'angoisse nous a été transmise par mon père. Quand on vient de l'Europe de l'Est, l'Empire austro-hongrois, Ariel... C'est de quoi je veux parler, Bernard-Henri Lévy également. Oui. Il y a une espèce d'inaptitude au bonheur qui est très significative et qui appartient plus à la diaspora de l'Europe de l'Est et à la diaspora du bassin méditerranéen, bizarrement. Et ça, mon père nous l'a transmis. C'est notre moteur. Je suis très anxieux. Je ne suis pas du tout sûr de moi. Et derrière, puisque cette émission a pour but de voir un petit peu la face B de nos vies, derrière cette apparente facilité que j'ai le dimanche, car il paraît que je dégage une espèce d'harmonie à la télévision. Détrompez-vous, c'est beaucoup, beaucoup d'années de travail. Et c'est Ariel qui vous dira le contraire. Et mon modèle, car j'ai quelques modèles, mon modèle, c'est Charles Aznavour, mon voisin. Et j'espère qu'à 85 ans, lui chante encore. J'espère que je viendrai vous voir et je vous parlerai dans l'oreillette. Michel Drucker, en tout cas, qui nous a raconté son parcours avec beaucoup, beaucoup de générosité ce soir. Avec légèreté et profondeur. Légèreté et profondeur, ce sont des mots qui vous conviennent bien.
Écoutez, je crois qu'il faut marcher sur la terre d'un pas léger. C'est vrai. Et qu'en même temps, j'aime beaucoup l'idée de cette anxiété qu'a Michel. Et je crois que les artistes et les gens qui essayent de se dépasser sont toujours hypersensibles. Et qu'il faut cacher beaucoup de contradictions, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses. Never explain, never complain. Never en français, explain, ce que dis là en Angleterre, en français, vrai. Ça veut dire ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Ça, c'est vous, ça. Voilà. Ouais. Et croire à nos propres forces et aux forces du dépassement. Il faut toujours essayer d'être mieux que soi encore. Et c'est une chose qui n'est jamais apaisée. C'est comme un feu qui est là. Vous avez choisi d'embellir votre existence, d'embellir celle des autres, hein, parce que Glamour à mort, ce nouvel album qui plaît beaucoup, beaucoup, oui. Vous le décririez comment pour ceux qui l'ont jamais entendu? Je dirais que c'est un disque électropop. Électropop. Voilà, et avec peut-être quelque chose... Et mystique, on m'a dit. Et mystique. Mystico-électropop, voilà. Mystico. Moi, je dirais que c'est un disque gonflé. Exactement. Gonflé. Hein. Est-ce qu'on peut m'amener un micro? Parce que même si on n'a pas répété, ouais. Juste pour le plaisir, on a montré le clip tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bout d'extraterrestre, juste pour nous? Oui, d'accord. C'est parti. En se levant. En se levant. Parce que vous chantez la chanson, ouais. Vous ne savez pas qui va arriver. Mais non, je lui ai envoyé des SMS là, en disant mais plus de nouvelles, etc. Et je vous vois là, c'est rigolo. Oui, 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 c'était très... C'est excellent de pouvoir chanter d'un coup. Mais oui, c'était pas dans la chanson. Mais comme c'est un duo, alors j'allais faire la voix de l'autre, mais enfin ça aurait été pas. Oui, je me disais comment vous. Eh bien, je alors... sais pas, j'allais me débrouiller, mais c'était un peu bancal tout à l'heure. Ils m'ont fait chanter les canards, là. Oui. Ouais. Il a trouvé l'idée super. Mais oui, j'étais pas sûr au début de l'idée, mais à la réalisation, là, votre version était vraiment fameuse. C'est la version de la danse des canards. Philippe, est-ce que vous pourriez me raconter, quand elle vous dit l'album de rêve, parce qu'elle fait une sorte de brief de publicitaire avec plein de mots contradictoires, qu'est-ce qu'elle vous demande et qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Parce que ça paraît assez irréalisable au départ. Quand elle vous dit, elle vous décrit ça comment, dans ce qu'elle veut?
Ce qu'elle veut, elle sait très bien ce qu'elle veut, Ariel. Mais c'est moi aussi qui c'est d'abord moi qui voulais lui écrire des chansons. Donc c'était aussi un rêve de fan que de lui écrire des chansons. Et donc Ariel s'est prêté au jeu de façon. De façon à ce que je me sente libre aussi d'écrire ce que je rêvais qu'elle chante. Mais ce que j'adore en c'est Philippe, c'est que, bon, bien sûr, on l'a vu de manière tellement extravagante sur la scène, etc. Et moi, j'étais un petit peu intimidée. Je me suis dit, mais il va être vraiment extraordinairement excentrique. Et qu'est-ce qui va se passer? Et puis, j'ai découvert cet homme d'une telle finesse, d'une telle délicatesse, d'une telle profondeur, et toujours avec l'air de ne pas y toucher. On dit dans l'oreille, c'est le couple le plus délirant de l'année, hein, quand même. Juste, il paraît qu'elle vous a dit à un moment donné, j'aimerais bien quelque chose, de, genre musicalement, qui serait de l'électropop minimal mélangé du Jean-Sébastien Bach. Elle vous dit oui, ça? Oui, il y avait quelque chose aussi d'une musique tribale mexicaine. Moi, je ne savais plus du tout où j'en étais. Hein, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle vous a inspiré. Ah, mais c'est une muse. Non, mais sérieux. Mais oui. Il y a plein de titres qui sont des morceaux cultes déjà, d'avance, quoi. Néandertal, qui est tellement amusant. Alors là, il y a des rythmes tribaux. Vraiment. Et Saint-Sébastien aussi. Saint-Sébastien, le titre et puis voilà, excellent, c'est avec des soupirs amoureux devant la figure de Saint-Sébastien. On me cite tous les titres, mais il faut que je vous dise quelque chose. Michel Drucker doit aller au lit, il se lève demain matin. Donc, si vous le voulez bien, Philippe, vous restez là quelques instants, le temps de faire descendre tous ceux qui sont là-haut. Rejoignez-moi, c'est le moment des révélations. Venez des avec révélations, moi. Mais... Venez avec moi. Moi des révélations, vous allez deviner qui est là-haut. Qui est là-haut? Allez-y, vous dites des noms, puis on verra bien, ils vont descendre. Je pense peut-être à une amie à moi qui s'appelle Ingrid Cavan. Je dis rien, dites des noms, on va voir si c'est des gens. Bon, je pense peut-être à une amie à moi qui s'appelle Rosette. Non, j'aime beaucoup ce moment parce que les téléspectateurs pensent que c'est truqué l'émission, que vous savez tout, etc. J'adore ce moment. Oui. Je pense peut-être à quelqu'un... À Bernard Henry? Oh, Bernard Henry, non, il ne serait pas venu. Non, c'est un être mystérieux, non. Il se serait pas prêté à ce ça, je crois pas, non. J'aurais adoré, mais bon. Mais je vais le retrouver tout à l'heure, tout va bien. Ah oui! Je pense peut-être à un cinéaste, écrivain, que j'adore, parce qu'il y a eu une ou deux anecdotes tout de même, et notamment Les Petites Souris, que je crois il est le seul à connaître. C'est un garçon qui s'appelle Patrick Mimouni. Bon, on va voir dans un instant. Vous avez d'autres noms? Alors, d'autres noms? Oui. Eh ben non. Bon, on va voir dans un instant. Ils vont descendre. Michel? Il y a des questions qui ont été posées dans l'oreillette. Et il n'y a qu'une personne qui connaît mon intimité et mon quotidien qui pouvait vous souffler ça dans l'oreillette. Mais je ne peux pas imaginer que ce soit elle. Je pense à ma femme parce qu'elle ne vient jamais. Elle ne se montre jamais. Jamais. Quelqu'un qui a volé ton pyjama, déjà. Non, mais... Oui. Non, mais c'est un survêtement. Il n'y a que mon épouse qui peut savoir ça, mais je ne peux pas imaginer qu'elle soit là parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se montrer depuis bien longtemps. Sinon, je ne vois pas. Vous ne voyez pas du tout? Quelqu'un proche de Vivement Dimanche, peut-être, mais je ne sais pas. Bon, allez. Il va y avoir des surprises, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut demander à nos complices de nous rejoindre? S'il vous plaît, on peut les applaudir très fort. Dany est là, Dany Saval. Allez, venez nous rejoindre, venez. Vous allez nous dire un mot sur chacun d'entre eux. Dany, vous avez beaucoup parlé d'elle ce soir. Quand on a préparé l'émission, on a beaucoup ri, hein, parce que moi, je n'y croyais pas, l'histoire de la cafetière, du frigo, je n'y croyais pas. Mais encore, vous ne savez pas tout. Mais c'est celle qui me connaît le mieux, évidemment.
Stéphanie. C'est, voilà, c'est les deux femmes de ma vie, hein, avec celles que vous avez vues à la cure demain. Alors, Dave, c'est mon ami, c'est mon voisin de Provence, mais c'est plus que. On se connaît depuis très très longtemps. Et Jean-François Carvéan, qui a co-signé mon livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui travaille avec moi, qui est devenu un ami. Et voilà, c'est, là, vous avez vraiment bien choisi, parce qu'ils me connaissent bien, mieux que moi-même, je crois. Ils connaissent mes qualités et mes défauts. Et je suis content de faire cette belle photo de famille. Exactement. Ça clique depuis tout à l'heure. Et Guy Bedos est encore là, il peut venir sur la photo, s'il vous plaît, Guy Bedos. Gérard, venez. Ils étaient en coulisses pendant l'émission. Allez-y, mettez-vous derrière eux, comme ça on a tout le monde sur la photo. C'est la famille, ça. Ça, c'est une photo. Si le photographe veut venir sur le plateau, allez-y, venez sur le plateau, on fait la photo en même temps, c'est pas grave, on est entre nous. Mais alors, finalement, nous, on a une toute petite famille. On est tout modeste. Bon, il faut tout qui change de famille. Qui change de famille. Voilà. Mais alors, moi je veux dire que quelle émotion. Victor Hage, qui est un éditeur d'un journal merveilleux, L'Humanité, et qui a écrit un livre sur moi extraordinaire. Et vraiment, je n'imaginais pas qu'il serait là. Il est un être tendre et délicieux. Et ici, une adorable... Vous avez parlé d'elle. J'ai parlé d'elle. Emmanuelle, ma première productrice de musique. Cette petite fille adorable qui me dit « je suis fan ». Et voilà, c'est grâce à elle que... Et je veux vous produire. Je veux vous produire, elle m'a dit. J'avais pas imaginé le niveau que... Voilà, et ben c'est elle. Et puis Patrick Mimouni, avec qui j'ai tourné un film il y a longtemps, avec Pascal Grégory, Villa Mores, qui est un être extraordinaire, un grand proustien, et qui a écrit aussi un livre sur moi, qui s'appelle Ariel, et c'est un être qui me connaît bien, qui est délicieux, d'une intelligence exquise. Et Philippe, qui me fait cette joie d'être là en super surprise. Vous avez bien fait votre coup, tous, hein. C'est dément. C'est... Moi, je remercie tous ces complices, vraiment. Je remercie nos invités, sincèrement, parce que vous avez beaucoup donné dans l'émission. Vraiment, c'était très drôle et léger et profond. Vraiment, Frédéric, c'était la régalade. Le mot de la fin, s'il y a un mot de la fin, c'était pas panique dans l'oreillette, c'était voyage en terre inconnue. Ça te rappelle quelque chose. Et puis, comme je suis déformé professionnellement, je voudrais saluer ta productrice Catherine Barma. Et ton réalisateur Serge Calfon. Mais il y en a plein que je voudrais féliciter, voilà. Mais qui sont là en coulisses. Alors, il y a mes journalistes qui font les enquêtes, qui sont avec nous, Sophie, Manu, Anne-Marie. J'en profite, je fais Michel Drucker parce qu'il est là. Il faut. Anne-Marie, Brigitte, il y a ceux qui écrivent les bêtises qu'on vous met dans votre bouche. Mais Arnaud. Tu n'es pas fatigué à la Jonathan, fin, toi, avec tout ce que tu entends dans l'oreille. Je vais en profiter pour citer tout le monde. Charles Ludon qui fait tout surprise, qui a fait dire n'importe quoi à Gad Elmaleh, ouais, parce qu'il faut le faire à chaque fois. Donc c'est énorme. Il y a Frédéric et son équipe qui sont au montage. Jérôme, Alex, Jean-Bernard Favé-Rolongo pour la lumière, Philippe Dessert pour le décor. Il y a tous ceux qui sont derrière la caméra pour de bon, qu'on ne cite jamais derrière la grue, etc. Il reste encore une émission avant la fin de la saison, mais je voulais les citer tous. François Laurence, voilà. Il y a beaucoup de noms. Et puis il y a quelqu'un qui est quand même assez magicien et qui s'appelle Frédéric Lopez. C'est mignon. Et puis je vais remercier, je ne l'ai jamais fait, mais je remercie France 2 d'avoir mis cette émission à l'antenne, parce que pendant 7 ans, je rêvais qu'elle existe, et voilà, ils y ont cru, donc je les remercie sincèrement. On se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, merci à vous. Merci au public. Merci.